Oui, quand vous pouvez, vous pouvez enlever le bassin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette séance du Conseil communal du 18 octobre 2021. Avant de commencer, je vais excuser Alexandre Clément qui se trouve pour l'instant à Dubaï à l'exposition universelle pour la Wallonie, donc pour la WEC. Donc voilà la raison pour laquelle elle n'est pas présente aujourd'hui. Alors le point 1 de l'ordre du jour, modification budgétaire ordinaire numéro 2 du CPAS. Madame la Présidente, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour ces deux modifications budgétaires du CPS, voici ce qu'il faut en retenir. Donc, au service ordinaire, un prélèvement de 4 728,92 €, ce qui est juste, pour alimenter le fonds de réserve extraordinaire. L'administration générale, on a revu à la hausse le crédit au poste prêt en informatique en prévision du coût du nouveau logiciel ULIS et cette prêt mensuel, augmentation de l'ordre de 7 915 €. Un ajustement du traitement du personnel du plan de cohésion sociale de 1 200 €. Une intervention financière présumée de 10 000 €, dont de la Croix-Rouge pour les sinistrés des inondations. Rouge qui a proposé des conventions au CPAS. Alors, il y a aussi une autre aide du fédéral pour les inondations d'un montant de 10 339 €. Un complément des aides alimentaires liées à la crise Covid de 786 € du fédéral. Donc ça, ce sont des aides avec des montants qui sont annoncés pour la plupart, mais pour lesquels on n'est pas sûr qu'on pourra tous les utiliser si on ne sait pas les justifier. Donc là, on verra ce qu'il en est plus tard. Il y a également un montant de 925 € supplémentaires pour l'aide alimentaire suite à un appel à projet lancé par la région Wallonie auquel nous avions répondu. Nous avions sollicité 2 500 €. Alors, il y a également pour ce service ordinaire une belle augmentation du poste dédié à la livraison des repas à domicile. Donc on passe de 87 000 € de dépenses à 128 000, les recettes sont en corollaire, soit 32% d'augmentation. En recettes, on enregistre aussi une augmentation substantielle de 8 132 € du fonds social de l'aide, fonds spécial de l'aide sociale, le portant à 71 199 €. Une augmentation du montant du subside socioculturel de 1 886 €, le portant à 6 130 €. Donc ça, c'est le montant qui est communiqué en cours d'exercice. Je vais essayer de respirer, mon masque. C'est juste bon pour travailler. Donc le budget ordinaire 2021, après la première MD qui était de 2 352 142,75 €, passe à 2 435 720,21 €. Pour la deuxième modification budgétaire. Ça, c'est le point 1. Oui. Avez-vous des questions? On va étudier principalement des actes techniques. Le conseiller, c'est pas les arrêtés, donc nous ferons pareil. Ok. Vincent? Nous suivrons aussi l'avis de nos deux conseillers de l'action sociale et nous nous abstiendrons. Ok, bon, on va passer au vote, de toute façon. Abstention. 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 Oui. 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 Et oui, merci. Je repasse la parole à Noël Willem pour le point numéro 2, qui est la modification budgétaire extraordinaire numéro 2. Donc il s'agit de la deuxième modification budgétaire au service extraordinaire, où on enregistre l'apport du fonds
compte réserve ordinaire de 4 728,29 € qui se retrouve dans un montant de 8 000 € à la fonction 123 en administration générale dédiée à notre informatique. Ce qu'on entend, c'est juste une petite sirène. De temps en temps, on ne sait pas d'où ça vient. Et il y a également la création d'un article budgétaire de 420 000 €, montant estimatif du produit de la vente des terrains à Abzelier, qui seront transférés aux caisses communales en vue du financement de la rénovation du bâtiment de l'ancienne administration communale de Sarre, reprenant les services du CPS. Et donc, le budget 2021, après cette deuxième modification budgétaire, passe de 33 774,79 € à 878 003,71 € pour être précise. Avez-vous des questions? Non. Vincent? Non. On peut passer au vote? Abstention. 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 Oui. 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 Merci. Le point suivant. Charte communale pour les installations d'hygiène. Approbation. Je vais passer la parole à Éric Laurent et Fred Aubanis. Oui. Alors, on va attendre que les sorteurs du nettoyage du film se fasse. Alors, je voudrais d'abord rappeler le contexte dans lequel on présente ce que l'on appelle une charte, mais c'est plutôt une ligne de conduite du collège concernant les constructions légères. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était une question qui avait été posée par Osé, de savoir si le collège allait organiser quelque chose à propos de ces nouvelles législations concernant ce que l'on appelle l'habitat léger, mais je vais y revenir sur la définition. Et alors, nous avions répondu que ça devrait être intégré dans le guide communal d'urbanisme, mais qu'en attendant, vu que le guide communal d'urbanisme, c'est un gros dossier qu'il faut du temps avant qu'il soit réalisé, que nous établirions une ligne de conduite à propos des habitations, des constructions légères. Et c'est ce que je vous propose de découvrir et que je soumets à votre approbation aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut dire ici d'abord, c'est que c'est assez complexe puisqu'il y a toute une série de lois et d'arrêtés qui concernent ce problème-là. Il y a comme loi qui traite du problème des constructions légères, le code d'été qui a été modifié récemment, mais aussi le code wallon du logement qui intervient là-dedans, un arrêté du gouvernement wallon sur les critères de salubrité, de surpeuplement et certaines dispositions spécifiques aux habitations légères. Le code wallon du tourisme a aussi des points qui concernent les constructions légères. Le décret sur les terrains de camping intervient aussi. Et aussi le code forestier, parce qu'on va voir que ça a un lien. Alors, attendez, parce que ici, changer de DIA. Voilà. Voilà. Alors, je vais d'abord en introduction vous donner quelques définitions parce que c'est vraiment essentiel. Et puis, je parlerai de la localisation par rapport au plan de secteur, c'est-à-dire ce qui est repris dans la législation. Et donc, il ne fera pas partie de la ligne de conduite puisque ça apparaît déjà dans la législation. Et enfin, la ligne de conduite pour ce qui peut être décision du collège et donc de la commune. Alors, au niveau de
la définition, ben, le code wallon de l'habitat définit l'habitation légère comme ceci. C'est une habitation légère est une habitation qui cumule au moins trois des critères suivants. Il suffit d'en avoir trois. Dès qu'on en a trois, c'est considéré comme habitation légère. Ça va être démontable, soit déplaçable, soit de volume réduit, soit d'un faible poids, soit ayant une emprise au sol limitée, soit autoconstruite, soit sans étage, soit sans fondation, et soit qui n'est pas raccordée aux habitants. Il suffit donc de trois de ces critères-là pour être considérés comme habitation légère. Alors ici, je fais une première remarque qui est indiquée en rouge en dessous. Nous, nous parlerons plutôt d'installation légère. Pourquoi ? Parce que si le code parle d'habitation légère, en fait, il faut distinguer la forme et la fonction. Parce que là-dedans, ça intègre aussi bien l'habitat, la résidence, que l'hébergement touristique, mais aussi un bureau ou encore des services ou d'autres activités commerciales. Même si ce n'est pas du logement, dans le code, on parle d'habitation légère. Alors, localisation par rapport au plan de secteur. Là, on est dans la législation. Et la législation définit toute une série d'autorisations et de possibilités en fonction de la zone du plan de secteur dans laquelle on se trouve. Si on est en zone d'habitat à caractère rural, est-ce qu'on peut faire une habitation légère ? Logement, habiter. Oui, c'est possible, mais il faut un permis d'urbanisme délivré par le collège avec avis d'un fonctionnaire délégué. Alors il y a toute une série en dessous que je vais passer parce que c'est des conditions complémentaires qui sont intéressantes, mais bon, on n'en finirait pas si je m'arrêtais là-dessus. Des exceptions pour un permis, par exemple, en fonction de la superficie, etc. Au niveau de l'hébergement touristique en zone d'habitat à caractère rural, oui, c'est autorisé, encore une fois, avec permis d'urbanisme délivré par le collège, avec avis d'un fonctionnaire délégué. Et des commerces ou services, oui, c'est autorisé en zone d'habitat à caractère rural, et cela moyennant l'obtention d'un permis délivré par le collège, sans passer par le fonctionnaire délégué. Ça, c'est pour la zone d'habitat à caractère rural. Alors, il y a aussi les zones de services publics, c'est tout au-dessus, et d'équipements communautaires. L'habitation légère, non, c'est interdit. Donc, on pourrait même pas autoriser. La loi ne l'autorise pas. L'hébergement touristique, non, c'est pas possible. Oui. Et les commerces et services, non, sauf s'il s'agit d'un service public. Pour l'habitation légère aussi, c'est non, sauf si l'habitation est destinée à un logement public. En zone agricole, habitation légère, non, on ne peut pas, sauf s'il s'agit du logement de l'exploitant, de l'agriculteur. En hébergement touristique, non, on ne peut pas, sauf si c'est de une aire d'accueil à la ferme. C'est-à-dire que ça doit être uniquement organisé par l'exploitant de la ferme, mais avec toute une série de conditions. Ça doit se trouver à proximité du bâtiment de ferme, c'est limité à 6 abris mobiles et maximum 30 personnes. Donc il y a toute une série de conditions que j'ai reprises ici, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et les commerces et services, non, en zone agricole, il n'y a aucune possibilité. Alors, autre zone du plan de secteur, les zones de loisirs, les habitations, donc les logements, les habitations, c'est non, on ne peut pas. L'hébergement touristique, ben oui, évidemment, on peut. Oui. C'est soumis à permis d'urbanisme, mais ça peut être dispensé l'architecte. Et les commerces et services en zone de loisirs, non, ce n'est pas autorisé. Et en zone forestière, de l'habitation légère,
c'est interdit. Des hébergements touristiques, c'est autorisé, mais les conditions sont assez strictes. Il y a toute une série de conditions, comme par exemple, ça ne peut pas être situé dans un périmètre du point de vue remarquable, comme par exemple de la tour à 2000, etc. Le projet n'implique aucune modification de relief du sol, ni aucun drainage. Le projet comporte un maximum de 10 hébergements par hectare. L'hébergement s'intègre dans le milieu naturel et est réalisé en recherchant une implantation et en utilisant les techniques les moins dommageables possibles pour les arbres, etc., etc. Il y a toute une série de conditions bien strictes pour pouvoir faire de l'hébergement touristique en zone forestière. Des commerces et des services, non, ce n'est pas autorisé en zone forestière. Ça, c'est au niveau de la législation. Donc on ne l'échappera pas. On est obligé de respecter ça. Par contre, dans nos marges de manœuvre possibles, il nous semblait important d'instaurer toute une série de règles à respecter. Alors, on va exprimer ça selon différents points de vue. D'abord, par rapport à la localisation. Si on se trouve dans les cœurs des villages, nous proposons de ne pas autoriser les installations légères dans les cœurs de village, dans les zones, dans les cœurs historiques des villages, ce qui pourrait correspondre par exemple aux zones 1 de la charte d'urbanisme, tant que on ne va pas du communal d'urbanisme. Alors pourquoi est-ce qu'on ne se fait pas? Parce que c'est une architecture qui n'est pas facile à intégrer avec les bâtiments existants, parce qu'il nous semble que les espaces verts, les cours des jardins dans les cœurs de village, il faut les préserver, et parce qu'il nous semble aussi qu'une trop grande proximité, les villages étant des zones concentrées d'habitat, pourrait rapidement entraîner des conflits de voisinage. Voilà la position qu'on propose. En dehors des cœurs de village, ce qui pourrait correspondre aux zones 2, par exemple de la charte, d'application pour nous, eh bien, ce serait éventuellement autorisé, mais il faudrait que ça se trouve dans un rayon de 10 mètres maximum de construction déjà existante sur la même parcelle et devrait être implanté à minimum 4 mètres de la limite de propriété. Chaque demande, évidemment, sera analysée cas par cas en fonction de l'intégration par rapport au bâtiment existant. Construction voisine et aussi important à la visibilité par rapport à la voirie. Parce qu'on voit très fortement ce logement ou cet hébergement touristique ou pas. Alors, sur un terrain vierge de toute construction, pas dans les cœurs de village évidemment, comme signalé précédemment, et non plus dans un lotissement. Oui. Donc exclu dans les parcelles des lotissements. Mais ça pourrait être envisagé uniquement si le projet répond aux conditions suivantes. Le terrain est isolé, le terrain est situé le long de voiries équipées ou pouvant l'être, et l'installation n'est pas visible depuis la voirie. Voilà. Il y aura aussi des critères pour la gestion du projet, la visibilité, le matériau, la distance par rapport aux voisins, etc. Alors, par rapport à l'initiateur de projet, donc, c'était par rapport à l'emplacement, maintenant par rapport à l'initiateur de projet. Si c'est un promoteur qui souhaite mettre à disposition rapidement le moindre coût des habitations légères en location, le collège a un avis défavorable. Ce type de demande. Pourquoi? Puisqu'on n'autorise pas au centre des villages. Si on fait des logements groupés, eh bien, on sera en dehors des villages, c'est-à-dire dans des zones qui ne possèdent pas de commerce, qui ne possèdent pas d'équipement nécessaire à ce type d'implantation. Donc voilà. Et puis en plus, ces petits logements peuvent conduire à des situations relativement problématiques, à notre avis.
Alors, si c'est un groupe de personnes qui souhaitent vivre de manière alternative en habitat groupé, alors là, ce serait éventuellement possible, mais chaque demande serait analysée au cas par cas. Les dossiers de demande vont comprendre obligatoirement un plan masse groupé, c'est-à-dire qu'un candidat bâtisseur veut construire plusieurs maisons sur une ou plusieurs parcelles, mais de façon groupée et en même temps. Il doit créer ce qu'on appelle un plan masse sur toute la maison. Ce n'est pas la même chose qu'un lotissement, c'est parce qu'il y a les constructions en plus, avec toute une série de critères à respecter. Et bien dans ce cas-là, il faudrait aussi un plan masse. Et alors, pour ce type de projet groupé, il nous semble qu'il faudrait un minimum de 500 m² de terrain par installation. Pourquoi? Parce que les personnes qui voudraient vivre de cette manière-là, il nous semble qu'elles ont besoin d'espace pour toute une série d'équipements, par exemple la création d'un potager, l'installation d'une citerne d'eau de pluie, du mobilier extérieur, etc. Donc il nous semble qu'être trop concentré, ce ne serait pas positif. Encore une fois, c'est en dehors des centres de village. Alors, il y aurait aussi le projet familial installé en lieu avec une habitation existante. Par exemple, si un enfant accueille un parent dépendant ou une famille qui accueille une personne dépendante, etc. Il y a plusieurs situations possibles. Et là, ce serait possible, mais encore une fois, en dehors des cœurs de village. Alors, projet de location d'un hébergement touristique, ben là, c'est possible en zone de loisirs, mais encore une fois, en dehors des villages, sur une parcelle déjà bâtie, ou qui répond aux critères légaux et la mise en produit tels que décrit précédemment. Alors, de manière générale, par rapport à la procédure maintenant pour l'installation de ce type de logement, il nous semble que chaque demande devra faire l'objet de mesures de publicité, c'est-à-dire que les voisins sont au courant, et cela se fait via une annonce de projet comme ça se fait pour certaines constructions, et cela pour prévenir et anticiper d'éventuels conflits de voisinage que ça pourrait générer. Alors, ce type d'habitat léger pourrait se dégrader très rapidement selon sa structure, sa construction et sa forme. C'est pour cela qu'une durée de permis de 5 ans est proposée, renouvelable évidemment avec demande, pour limiter et pour éviter cette dégradation-là. Et puis les habitations légères devront strictement respecter évidemment les critères de salubrité et les critères de surpeuplement visés à la réplique du gouvernement. Voilà ce que on peut dire, ce que je voulais dire sur cette charte, cette ligne de conduite que le collège souhaite faire adopter par le conseil, suite à la demande qui est faite en attendant le communal de la Bonne soirée. C'est terminé, du coup. Oui. Bonne soirée, toutes les questions. En fait, déjà, la première chose, Eric, merci pour la présentation. Je pense que je ne me suis pas concerté avec mes trois collègues, mais on pourrait regretter de ne pas avoir eu accès à ce document qui nous paraît très précis et qui nous aurait permis peut-être je me trompe. Exactement le document de la charte que vous avez reçu, sauf la partie législation, évidemment, parce que la législation, c'est la législation. Mais sinon, la suite, c'est exactement ce qui a été dans la charte que vous avez reçue. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez volumineux et important. J'ai regardé une réponse du ministre Borchu à la députée au Parlement wallon, où il disait qu'il n'y avait que 3 dossiers qui avaient été rentrés entre 2019 et 2020. Donc j'ai pas l'impression qu'il s'agit de... Alors, je vous pose la question de savoir
si vous avez eu, vous avez fait face à une forte demande, nous on n'en sait rien. Et au vu de ce que vous venez de nous expliquer, nous pensons que nous allons nous abstenir parce que on voudrait bien avoir une vision plus globale du dossier. Tu l'as bien expliqué, mais voilà, est-ce qu'on a des demandes, est-ce qu'on doit faire face à vraiment quelque chose de nouveau? Moi, je suis pas, enfin, nous ne sommes pas du tout contre l'idée de, ici, on voit bien que ça se développe plus au niveau touristique que de l'habitation, ou bien alors ici, on parle effectivement de huit logements, un seul projet communal de lotissement de huit logements, je ne sais pas où en Wallonie, ça ne me paraît pas énorme, je pense que l'idée n'est pas mauvaise, enfin, nous pensons que ce n'est pas une mauvaise idée, maintenant voilà, on va s'abstenir parce qu'on ne sait pas exactement ce qui est d'actualité. Mais ça, je peux déjà t'apporter des réponses, puisqu'on a déjà eu beaucoup de demandes, pas de dossiers déposés, mais des demandes d'avis préalable officieux, je vais dire, et même officiels, on en a eu des officiels. On a eu un projet qui a été déposé et qui a été accepté, qui existe, donc il y a un projet qui existe sur la commune, mais des demandes, depuis que le code a été modifié et accepte une série de constructions légères, eh bien, on a eu une dizaine de demandes. Il y en a encore une qui est passée jeudi passé, on avait préalable au collège. Donc ça existe, il y a des demandes. Okay. Et je vais rajouter, on a aussi des demandes de promoteurs. On sent bien qu'il y a des promoteurs derrière qui sont prêts à essayer de trouver la faille ou la commune qui n'est pas prête avec un règlement pour venir installer toute une série de logements légers comme ça à certains endroits. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'entoure d'un outil pour pouvoir, je ne vais pas dire refuser, hein, ce n'est pas le but, mais pour au moins contenir et ne pas permettre n'importe quoi, n'importe quoi. Je trouve qu'il faut être agilité variable par rapport à la demande et à ce que la personne souhaite faire. Effectivement, si un promoteur vient pour faire un espace, un endroit, il nous semblerait peut-être que ce serait pas opportun. Ben non. Mais pour ça, il y a les gens du village, etc. Maintenant, si une personne vient en faire la demande, voilà. C'est différent, mais il y a un peu de tout. Il y a des personnes, mais il y a aussi des promoteurs qui sont prêts à essayer de trouver des endroits pour investir massivement dans ce genre d'action. On sait bien qu'on est à proximité, une belle zone. Oui, domestique. Didier, merci d'avoir répondu à notre demande. Et donc, ça faisait partie de notre programme qui disait que nous, on était pour l'autorisation sur le territoire de l'installation de logements modulables. Et on avait promulgué comme ça, Etilios, en nombre et durée d'occupation limitée dans ce cadre d'utilisation. Donc, dans le cadre de l'occupation limitée, on est bien en accord avec ce que vous avez dit. On partage beaucoup de points de vue de la charte, seulement. Nous, on s'est réunis et on a réfléchi sur la notion de cœur de village. On a cherché et on n'a pas trouvé une définition. Donc, quand tu dis cadre de zone 1, ça parle bien évidemment beaucoup plus. Donc, c'était une de nos réflexions par rapport à ça. Ensuite, on avait une autre réflexion qui était en fait le travail en parallèle des critères géographiques et ceux d'attribution. Comme tu en as fait écho, donc l'attribution, s'il y a une famille qui désire installer une clignose parce qu'elle a un parent dépendant, etc. Et en fait, nous, par rapport au fait que la zone 1 ne soit pas une possibilité pour ce type de demande, je dis bien en fonction de la législation, etc., on en est bien conscient qu'on ne fait pas n'importe quoi, nous, ça nous semblait dommageable et... D'autant plus que le permis est attribué pour une durée déterminée et qu'il doit faire vraiment l'objet d'une demande d'intégration dans le bâti actuel. Donc ça, c'était une de nos réflexions, puisqu'on avait lu la brochure relative à l'habitation légère en Wallonie qui dit « Il ne suffit pas de respecter la réglementation pour obtenir un permis d'urbanisme. L'autorité qui délivre le permis doit tenir compte de l'intégration du projet à l'environnement bâti et non bâti, notamment sur le plan urbanistique, architectural ou paysager, c'est-à-dire du bon aménagement des lieux, comme on disait autrefois. » Donc, en fait, on demande aussi de définir des critères d'intégration. Je sais que c'est laborieux, difficile, mais je pense qu'il sera temps, il faudra quand même s'y atteler, puisqu'en fait, il existe quand même une multitude d'habitations légères
et de possibilités d'habitat léger. Alors, on avait aussi observé, mais ça tu en as parlé aussi, que la charte n'indique qu'à demi-mot la possibilité pour un exploitant professionnel dans les domaines de l'agriculture ou de la pisciculture de s'établir sur son exploitation. Dans le respect des prescrits légaux, puisqu'il y a des durées d'exploitation, etc., on ne peut pas le faire comme on veut. Donc nous, on pensait que cette possibilité-là devrait être intégrée dans l'article 5, relatif au porteur de projet. Si le porteur du projet est, par exemple, un maraîcher qui exploite son terrain depuis plus de 2 ans, il n'y a peut-être pas de cas dans la commune, mais enfin bon, et qu'il souhaiterait s'établir, ben, qu'on puisse analyser avec lui la possibilité de le faire. Et alors, aussi, dans la charte, on pourrait faire référence à la performance énergétique en invitant les futurs porteurs de projets à y apporter une attention particulière, sachant que dans certains cas, l'habitat léger est soumis à cette législation. Cela marque une réelle cohérence avec cette volonté de réduction de la consommation d'énergie qu'on a actuellement sur la commune. Donc ça, c'est quelques réflexions sont celles proposées et représentent notre humble avis en regard des documents édités par le service public de Wallonie et par l'Union des villes et communes. Donc nous aurions aussi apprécié avoir les réflexions de la CCATM. Cette dernière n'a pas travaillé sur cette charte qui se doit d'être un préalable pour nous à la réalisation d'un guide communal d'urbanisme, puisque ça va être vraisemblablement intégré dedans. Aussi, à travers cette réflexion, nous vous demandons de reporter ce point et de permettre à la CCATM de donner un avis consultatif circonstancié en vertu de sa mission qui est de donner un avis consultatif lié aux politiques du développement territorial. Là, je cite l'Union des villes et communes qui dit « À côté de ces missions obligatoires, il n'est pas rare que les collèges ou conseils communaux décident de solliciter l'avis de la CCATM pour des dossiers divers qu'ils estiment pertinents et pour toute question relative au développement territorial, à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. » Alors, deux choses. Ça, c'est notre réflexion. Deux choses. Pour la CCATM, je rappelle ce que j'ai dit au départ. Le but, c'est que ce soit intégré au guide communal d'urbanisme. Et le guide communal d'urbanisme, évidemment, passera au CCATM pour donner son avis. En attendant, il était important, vous avez fait la demande. Il était important de se faire une ligne de conduite pour le collège pour pouvoir prendre une décision. Donc, ça passera en CCATM lorsque ce sera dans le guide communal d'urbanisme, comme c'est prévu. Ici, c'est une ligne de conduite. C'est pour ça que j'ai plus parlé de ligne de conduite que de charte, même si le nom, c'est charte. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que c'est les critères d'intégration ? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Tu as parlé de critères d'intégration, je ne sais pas ce que c'est. Mais non, c'est c'est la définition même. Donc, nous, c'est une question de méthodologie, c'est très complexe. Ça va être bon pour quelqu'un, ça sera mauvais pour un autre. Voilà, c'est ce que nous faisons. Nous, on analyse cas par cas, comme on le met pour l'instant. Mais il nous faut vraiment avoir un outil pour l'instant pour pouvoir répondre aux demandes. Il n'y a rien à faire. Le guide communal n'est pas là pour demain. Et puis, comme disait Eric, toutes les autres démarches vont suivre. Les consultations de la CCATM, etc. Mais ici, on a pris. Voilà. Maintenant, c'est une ligne de conduite du collège. Et évidemment, elle sera communiquée à la CCATM en attendant le guide communal de l'urbanisme sur lequel elle pourra vraiment donner un avis éclairé et peut-être aussi avec l'expérience de ce guide. De cette première ligne de conduite. Ouais. Ok, mais on peut quand même simplement constater que les accords sur la ligne de conduite. Voilà, simplement ça. Ok. On peut passer au vote. Abstention. 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 Oui. 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 Et oui, pardon. Le point suivant, c'est acquisition de parcelles 6 à Jalais. Et là, je vais passer la parole à Marc-Ancien. Donc, nous avons été approchés par un propriétaire qui est désireux de se débarrasser, de vendre, mettre en vente la propriété forestière. Au lieu d'un rassortaire, c'est
connu sous le nom d'Assoustère, Egoï, c'est-à-dire les groupes divorciales. Assoustère est 4384 m2, dont la valeur a été estimée par le DNF à 2850 euros. C'est un terrain qui est pratiquement nu. Dans la Egoï, les groupes divorciales, il y a 2480 carrés parcelles, 15875 par l'autre, et l'estimation du prix est de 23 417 euros. La superficie totale, c'est ce qui nous est présenté, est de 2 hectares 27 pour un montant total estimé de 26 267 euros. Donc, vu l'argument du projet DNF, nous demandons l'autorisation d'acquérir ces parcelles, d'approuver le projet d'acte et de charger le document, c'est un contrat général. De présenter la commune, de financer la dépense de 28 429 euros, HMP, frais de droit et honoraires compris, par fonds propres et encore par le CRI, ainsi à la modification à la budget extraordinaire. Il y a des parcelles qui sont couvertes en résineux, et l'autre partie, ce sont les infrastructures. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je vais ajouter juste une petite chose. Nous avons bien évidemment des parcelles communes qui jouent la joie active à ces terrains. Hein. On n'achète pas des terrains isolés n'importe où. C'est parce que nous sommes voisins, et c'est déjà pour cette raison-là d'ailleurs que le propriétaire nous contacte, parce que nous sommes vraiment les voisins de ces territoires. Enfin, voisins, vraiment voisins, voilà. Voilà. Y a-t-il des questions, Vincent? Non. Didier? Pas de questions. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, merci. Alors, les trois points suivants, ce sont des démissions de membres de la Commission de développement rural, donc de la CLDR. Donc ici, ce sont des prises d'actes, hein, les trois. Donc il y a la démission de M. David de Schreiber, la démission de Mme Germe Géraldine et de Mme de Fahy-Nicole. Voilà, c'est une prise d'acte, on doit le noter. Donc. Vous allez passer au conseil communal. Le point suivant de l'ordre du jour, c'est le renouvellement du mandat de gestion de l'immeuble 6 rue Henri Font 25, donc à Saint-Vaster, à l'AIS Pontardel. Alors je passe la parole à Noël Willem. Il s'agit de deux logements situés au cœur du village de Saint-Vaster et qui ont été confiés en gestion auprès de l'agence immobilière sociale en date du 12 septembre 2018. Donc on arrivait au bout de cette convention et donc ici on propose de renouveler un mandat de gestion pour une durée déterminée pour ces deux logements. Oui. Correspond au point 8 et 9. Hein. C'est ça. Voilà. C'est, bon, c'est le même immeuble, vous le savez, il y a deux appartements, donc c'est pour. Donc on peut grouper, sauf si vous voulez qu'on vote séparément, mais sinon on peut grouper le vote pour ces deux points-là qui sont absolument identiques. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Vincent, on peut passer au vote? Oui. 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 Et oui. Alors, le point suivant, c'est la vente de coupes de bois ordinaires et des coupes de bois de chauffage pour l'exercice 2022. Je passe la parole à Martin. La vente de bois marchand aura lieu vendredi prochain, donc à 2 octobre à 9h à Trois-Ponts. La deuxième porte aura lieu le 5 novembre à 11h ici, dans la salle du conseil communal. La vente de bois de chauffage a eu lieu ce vendredi, ici dans cette même salle. Nous avons vendu 255 mètres cubes pour 12 800 euros. Donc, sinon, c'est une vente tout à fait traditionnelle, donc les offres qui viennent sous enveloppe. C'est le meilleur de mes offres qui remporte le marché. Y a-t-il des remarques sur ce point? Non. Okay. On peut passer au vote. Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est un marché public de travaux, c'est des travaux d'entretien de voirie forestière
Groupe de Vieille-Fagne, et je repasse la parole à votre convention. Donc, une convention d'entretien de la route des Vieille-Fagne a été signée entre la commune de Saint, l'État, je pense que c'était l'État, et la commune de Spa. Ça a été approuvé le 4 juin 1954 par le conseil communal de Saint. Il faut savoir que maintenant c'est la région Wallonne qui a repris le rôle de l'État et qu'il se voit attribuer des budgets pour certains travaux. Et ces travaux, s'ils ne sont pas réalisés dans la ligne, le budget leur est retiré. Donc, comme une convention entre la commune et la région Wallonne, il nous a été demandé de procéder à de créer un cahier des charges, de faire une estimation du coût. C'est ce que le service des travaux a fait. Les portions sont bien déterminées, elles sont bien séparées. Les travaux qui seront pris en charge pour la commune s'élèvent approximativement à 30 000 euros et de près de 50 000 euros pour le service public de Wallonie. Le montant du marché est estimé à 79 746 euros. Donc, c'est le marché par procédure unique, donc s'il est sans publicité. La commune de Jalles est votée pour ces travaux par la région Wallonne. En cas de litige, chaque pouvoir adjudicateur gère ses problèmes. La dépense en fait, sera inscrite au budget extra, qui sera modifié tout à l'heure. Il y a-t-il des questions, Didier ? Oui, parce qu'on parle ici de la route des Vieille-Fagne, mais l'appellation officielle, c'est la rue Henri-Pirène, je pense. Alors bon, c'est un chemin forestier ici. C'est un chemin forestier. Oui, c'est un chemin qui va à la. Oui, qui parle de Côte-Vieille-Fagne, qui parle d'un bon. Oui. Je pense que ça s'appelle la rue Henri-Pirène, c'est moi qui compte ça sur l'État. Non, ça va plus, il marche pas dans le coin. Pas dans le coin. Enfin, dans le bois. Je crois que c'est la route des Vieille-Fagne. Ben oui, voilà, pas tout le monde connaît. Non. La rue Henri-Pirène, c'est la portion internationale. Oui. Oui, c'est la partie à Saint-Té. C'est l'un du jour. Non, Henri-Pirène, c'est là qu'on a eu une demande de permis pour mettre une antenne de télécommunication au bien. C'est lié, mais là, c'est bien. Henri Pirène, mais sur une partie, après c'est le vieille phare. Si vous êtes sûr de votre. On sait pas, vous avez vu où on devait faire des travaux. Oui. Vincent, non. On peut passer au vote pour l'approbation des conditions et du monde de passation du marché. Oui. Et oui, merci. Alors, les points suivants, c'est des points dans le programme POLEC. Soutien à la structure supralocale de la province de Liège, ratification. Marc, je te passe la parole. Depuis 2015, la province de Liège est une structure supralocale. Le soutien à la politique par POLEC. La commune de Jalles est inscrite dans cette politique pour le climat depuis février 2017. Donc, depuis l'analyse de notre commune, c'était la convention de maire et de Palais, nous avons toujours bénéficié de l'aide de la province de Liège. Ici, maintenant, la province de Liège va renouveler le fait d'être une structure supralocale. Elle demande le soutien des communes qu'elle a aidées. Le bon ton de redonner le soutien parce qu'on ne peut pas bien aider quand on a lancé la possibilité. Avez-vous des questions, Vincent? Non. Didier? Donc, vous présentez au conseil plusieurs points concernant le POLEC et le PAEDC, le plan d'action pour l'énergie durable et le climat. Et c'est bien. Ça vient s'ajouter à d'autres points qui sont passés devant ce conseil communal auparavant et d'autres actions qui sont menées depuis quelques temps. Nous le disons clairement, c'est bien. Mais nous voulons ajouter, enfin, car nous nous plaisons à le rappeler, vous avez proposé il y a plusieurs années d'installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux et vous aviez à l'époque refusé. Nous avons toujours ce sentiment amer d'avoir raison trop tôt, ou en tout cas trop tôt pour vous. Enfin, aussi, parce que la commune de Jalles a signé la convention des maires en 2017, parce que le comité de pilotage POLEC a commencé ses travaux au début 2018,
et parce qu'il n'aura fallu attendre 2021 pour que les choses commencent à bouger sérieusement. Mais ne revenons pas sur le temps perdu et regardons l'avenir. Les actions envisagées vont dans le bon sens et nous vous encourageons à les poursuivre. Ces actions concernent jusque maintenant les bâtiments ou équipements de la commune. Il faudra également se tourner vers les citoyens et chercher avec eux des moyens de limiter leur consommation d'énergie. Il ne s'agit pas seulement de distribuer de l'argent ou des primes, cela peut aussi passer par de l'information ou des conseils. Les citoyens actifs dans le comité de pilotage collecte pourront piloter ces futures actions. Je rappelle au passage qu'il est prévu que des membres de la CLDR rejoignent le comité de pilotage collecte et je vous invite à ne pas oublier ce point dont on avait parlé en CLDR. C'est fait, c'est intégré. À la prochaine réunion. Il ne faut pas se contenter de répondre aux objectifs actuels pour dire, juste dire d'avoir fait quelque chose. Il faut toujours en faire plus pour limiter tant que possible les émissions de gaz à effet de serre. Le 21 avril dernier, la Convention des maires a renforcé ses objectifs de lutte contre le réchauffement global et les changements climatiques. Partout dans le monde, des événements climatiques hors normes se succèdent. En juillet dernier, la Belgique a malheureusement pu expérimenter ce que c'est d'être victime des changements climatiques. Il ne faut donc certainement pas relâcher nos efforts. On l'a dit au niveau fédéral, tous les ministres sont maintenant des ministres du climat. Plus modestement, à Jalais, toutes les actions devraient être menées en pensant aux conséquences sur le climat. On n'en fait pas assez. Je ne dis pas ça pour le plaisir de vous embêter. Quoi que l'on fasse, ce ne sera jamais assez. Il faut faire le maximum. En conclusion, nous vous attribuons la mention bien. Pour être bien, il aurait fallu aller plus vite et il faut surtout aller plus loin. Voilà. Ben merci, parce que ça fait plaisir. Le bien, moi je suis déjà très content. C'est vraiment très bien. Là, on vous doit courir. Quand vous dites on peut aller plus vite, mais quand vous allez voir donc, les points qu'il y a aujourd'hui, oui, avec ce que l'on fait aujourd'hui et ce qui est, qu'on a déjà présenté, et puis on attend aussi d'avoir les subsides, les confirmations des subsides, les appels d'offres à subsides pour pouvoir faire toutes les actions. Et franchement, mais merci, c'est bien, mais ici ça fait déjà beaucoup. Je trouve que c'est très bien de nous dire que c'est bien, parce que c'est un fameux budget. Mention très bien. Ah, pour Vincent, tu nous donnes très bien. Oui, Vincent, tu me remets ? Non. Donc ici, on est sur le point 1, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs points qui concernent OLEC. Donc, pour la ratification, on peut passer au vote avec un soutien à la structure supralocale de la province de Liège. Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est une participation à un projet d'investissement de la province de Liège, justement. Soutien aux ressources humaines de l'élaboration et de la mise en œuvre et du suivi du PAETC. Marc. Oui. Donc, nous avons reçu de la région Wallonne une invitation à engager du personnel, nous avons encore un tiers temps pour la politique d'action de l'énergie durable et le climat. Nous avons lancé un avis de recrutement avec les communes de Spa et de Stouma. Et au début du mois de juin, la personne que nous avons engagée a commencé à travailler pour nous. Donc, pour pouvoir valider toute la procédure, il faut que le conseil communal approuve non seulement l'engagement, mais aussi ce qui est fait dans ce cadre-là, pour pouvoir bénéficier de subsides. Donc, nous demandons votre accord pour poser la candidature de la commune pour l'appel à projet de POLEC, tant pour le volet ressources humaines que pour le volet investissement. Un petit peu des remarques. Vincent ? Non. Didier ? Non. Je peux passer au vote si vous voulez bien ? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est toujours dans le cadre POLEC. C'est, je vais aussi ne pas
pas me tromper, parce qu'il y en a vraiment beaucoup des points appelés. Donc, c'est le projet d'investissement de la province de Liège pour l'installation de bornes de rechargement pour vélos électriques. Marc, je te repasse la parole. Donc, la province de Liège souhaite développer son projet de mobilité douce, à savoir l'organisation d'une centrale d'achat pour la fourniture d'infrastructures pour la charge de vélos électriques. L'intervention régionale s'élève à 75% du coût total et donc il faut rentrer un peu dans le projet. Donc on vous demande l'autorisation de participer au projet d'investissement mobilité. Les besoins provisionnels ont été fixés à 8 bornes électriques, donc ce serait 2 à l'office du tourisme, 2 à la locale scout à Charbonneau, 2 ici à l'administration communale et 2 au parking de covoiturage de Thiers. Je pense que pour un conseil communal, il y a déjà un ou deux. La demande avait été formulée par l'opposition d'installer des bornes de charge électrique au niveau de l'office de tourisme. Voilà, les choses prennent un peu de temps, mais ça arrive. Y a-t-il des questions? Non. Vincent, vous aviez, comment vais-je dire, répondu à un appel où c'était 4 bornes seulement, et vous avez répondu à un deuxième pour en obtenir le nombre? Non, on n'a pas répondu à un deuxième. On a été contacté par la province en nous disant que les communes n'avaient pas répondu en suffisance pour la demande de bornes électriques, et si on le désirait, on pouvait en obtenir plus. Ce qu'on a fait, donc plus. Bien. Donc bien. Je vais délivrer une pile de bien. Bon, sinon, encore une petite question par rapport à la localisation, j'imagine que tout ça a été bien réfléchi. Ouais. On essaye, oui. J'imagine qu'il y a beaucoup également des arrivées électrique, il y a sûrement des aspects techniques qui nous échappent peut-être. J'imagine que les endroits sont vraiment les endroits les plus adaptés pour recevoir. Et je ne sais pas, par rapport au Raphaël, des endroits de ce type-là, il n'y a même pas d'endroit qui aurait mieux convenu. Et je pose vraiment une question. On le sent. Ouais. Pour pouvoir accorder soit un bâtiment communal, soit une arrivée électrique, comme il y en a sur le parking de couverture, notamment. Ouais. Mais donc, si on n'a pas de local, ça revient beaucoup plus cher de voir installer le compteur au milieu de la nature. Bien sûr, mais notre démarche, notre réflexion, c'était par rapport à des points qui viendront probablement plus tard dans la conversation, par rapport à des cheminements au bout qui pourraient amener la fac et peut-être des endroits qui sont vraiment adaptés par rapport aux gens qui montraient sur le. Mais là, il va y avoir beaucoup de changements de ce côté-là, mais si tu prends la mobilité douce, n'oublie pas qu'on est en train de terminer la liaison du Ravel jusqu'à la place de Sarre, donc là. Mettre 2 bornes à l'office du tourisme, c'est plus de cohérent. Les 2 bornes ici à l'administration communale, il y a quand même pas mal de personnes en plus. C'est un endroit sécurisé aussi, hein, ouais. Avec des caméras, ça va aussi. Le covoiturage de Thiège, ben, c'est un endroit super fréquenté. Hein, on voit bien que ça fonctionne très très bien, le covoiturage. On est dans un lieu vraiment maintenant où il y a des commerces partout. Donc, je crois que c'est bien. Et le quatrième, c'est le local scout à Charneux, parce que il y a beaucoup de jeunes aussi qui viennent là-bas au niveau des scouts. Mais c'est vrai qu'on pourra en mettre, mais c'est déjà ici, on prend déjà le double de ce qui nous avait été proposé par la province. Hein. Donc voilà, je crois que c'est déjà très bien. On peut voter? Oui. 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 Et oui, le point suivant, toujours dans la candidature Prolec. C'est un projet pour la création d'une plateforme bois énergie à Sauvaster. Alors là, je vais passer la parole à la Marc qui va vous expliquer la création de cette plateforme. Donc, Région Wallonne lance un appel à la candidature à destination des communes afin de soutenir le développement de filières d'énergie durable. Comme la commune de Jalais souhaite mettre en place des chaudières biomasse pour les bâtiments communaux, au moins pour certains bâtiments communaux, et comme la commune désire valoriser des bois qui sont quelquefois abandonnés dans nos forêts, nous aimerions créer une plateforme de séchage, de stockage et de distribution de combustible biomasse pour alimenter certains bâtiments communaux. Donc, on doit poser la candidature de la commune de Jalais pour les 2 projets de l'appel Prolec 2021
via le guichet des pouvoirs locaux. On doit s'engager à porter le cofinancement qui sera de minimum 20% du montant total du projet et pour pouvoir ce budget, ce montant au budget 2022. Le montant du coût est estimé à 208 000 euros au total et la part communale serait de 41 627 euros. Donc il s'agirait d'un hangar de 35 mètres sur 12 de large, avec une aire de manœuvre devant pour que les camions qui viennent puissent circuler de façon aisée, et une aire de stockage des bois en attendant qu'ils soient traités. Tout mourrait à peu près 35 mètres sur 32, je pense, si ma mémoire est bonne. Donc il s'agit d'un projet spécifique qui est mesurable, il est ambitieux et relativement réaliste. On espère qu'il pourrait terminer pour la fin de l'année 2024. Le hangar prévoit pour un stockage de 1300 à 1500 mètres cubes de plaquettes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Y a-t-il des questions, Didier? Oui, on parle ici du stockage, c'est simple. Pour la production, il faut déchiqueter les bois aussi, ce sera non? Oui. On n'appelle pas la commune aussi? Non, on appelle à une société privée qui viendra acheter les bois. Généralement, les communes qui agissent de la sorte font appel parce que. Oui, donc c'est un passage pour le temps. Ils ne travaillent qu'un jour ou deux. Ils travaillent très tôt. Oui. C'est vrai. Je veux faire ce marché plus économique qu'il soit. Vincent, toutes les questions. Pas de questions, c'est une bonne idée. On peut passer au vote. Oui. 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 Et oui. Le point suivant. Comment on va produire des plaquettes quand elles seront sèches, il faudra bien les utiliser. Donc, le projet suivant, c'est l'installation d'une chaufferie centralisée avec des plaquettes de bois et d'un réseau de chaleur de 196 mètres pour chauffer 5 bâtiments communaux au centre du village de Saint. Je repasse la parole à Marc. Donc la chaufferie de biomasse serait installée à la salle à Saint. Elle permettrait de chauffer, bien entendu, la salle de ça, la maison Montfort qui est juste à côté. Le réseau de chaleur partirait pour chauffer l'office du tourisme, l'église et la maison des jeunes. Donc, le financement, les conditions de financement sont les mêmes que la plateforme de séchage, donc 20% de part communale et 80% de subsides, autant que l'ensemble du projet ne dépasse pas les 500 000 euros. Ici, le réseau de chaleur, le montant du projet s'élève à près de 290 000 euros. L'intervention communale serait de 57 963 euros. Le temps de tout sous-investissement, quand même relativement élevé, c'est 13,8 années, mais c'est sans compter sur le remplacement des chaudières existantes qui se font quand même assez vieillissant. Je pense que la plus vieille est de 1983. Je pense que la plus jeune est de fin des années 80. Tout à faudra les remplacer. Si on doit les remplacer même par le chaudière mazout, ben, ça a un coût qui est loin d'être ridicule. Et donc, si on décompte ces investissements-là qui ne sont pas faits, ben, alors, le temps de tout sur l'investissement n'est pas plus court. Et d'un point de vue environnemental, ben, c'est sans comparaison. Vincent, as-tu des questions? Non, pas de question. Didier? Pour nous, on trouve que c'est un peu dommage de ne pas intégrer le futur bâtiment du CPAS dans le réseau. On nous a dit qu'il y aura une pompe à chaleur pour chauffer le bâtiment qui sera super bien isolé et que ça devrait en principe suffire. Moi, ma crainte, c'est que le bâtiment, les pompes à chaleur, quand il fait très froid, ça fonctionne avec un très mauvais rendement. Donc, ce serait peut-être une opportunité, puisqu'on va développer le réseau de chaleur sur la place, de tirer un tuyau jusqu'à l'un des bâtiments pour avoir un appoint quand la pompe à chaleur ne sera pas suffisante. Ça, c'est une chose dont on a discuté. Je pense bien que c'est une question qu'on a posée à la Fondation de Wallonie, qui a complété le dossier pour l'être vite. Et
c'est eux qui nous ont dit que dans ces conditions-là, ce n'est pas rentable. Les investissements sont tels que pour un bâtiment qui va avoir la norme QZN, donc quasiment zéro énergie, l'investissement sera trop important pour ne pratiquement pas consommer d'énergie. Donc, vous savez, nous ne sommes pas des spécialistes, et on sait ce qu'on s'est mis. C'est ce que nous avons fait ici. Maintenant, si vous devez constater qu'il y a un problème, le réseau peut être étendu, mais on pourrait toujours essayer de... On nous le déconseille fortement. Oui, on aurait presque même un refus peut-être de ce projet-là si jamais on l'a intégré, parce que ils sont quand même ils sont conseilleurs, mais ils sont également payeurs à la région wallonne. Quand on a les conseillers de la région wallonne qui viennent, on ne peut pas leur proposer n'importe quoi, ils n'acceptent pas n'importe quoi, ils étudient quand même la question à fond. En plus, le bâtiment du CPAS, il faut quand même savoir que maintenant, enfin, c'est une petite parenthèse, mais tous les plans sont finalisés, tout est prêt. On ne peut plus se permettre de faire des modifications maintenant, parce qu'autrement, on va perdre une année ou une année et demie sur des nouveaux plans, etc. Donc, on a suivi les conseils qu'on nous a donnés, et ce sera une pompe à chaleur avec des panneaux photovoltaïques sur le toit, je pense. Je pense qu'il y en a. Oui, je ne sais pas ce que c'est. Il y en a, oui. Je me confirme Noël. Et... Mais, donc, voilà, on a suivi les conseils qu'on nous a donnés. Ce qu'on regrette aussi avec ce projet, c'est que ça reste uniquement sur les bâtiments communaux. Nous pensons qu'on aurait pu aussi intégrer les habitations privées qui sont proches. Ça se fait ailleurs. Il y a plusieurs communes qui ont développé les réseaux de chaleur pour alimenter les habitations privées en mixte avec des bâtiments communaux, des bâtiments privés. Mais bon, là aussi, on s'est posé la question, parce que vous devez savoir qu'il y a un deuxième réseau de chaleur qui est prévu ici à Jalais. Donc on avait. Donc, on a étudié déjà il y a 2-3 ans, et là aussi, il y a une complexité très très importante, même si ça se fait dans des communes, pour devenir producteur d'énergie et pouvoir facturer l'énergie à des personnes, etc. Et savoir les quantités qu'elles consomment, c'est quelque chose de très 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 compliqué, et c'est très complexe. Donc nous avons aussi déconseillé de le faire, parce que c'est encore plus facile ici à Jalais, parce que vous avez beaucoup de restaurants, vous avez... même des chambres d'hôtel, etc., qui auraient pu être alimentées, mais franchement, je crois que c'est d'une complexité de rentrer dans des réseaux de chaleur avec du privé, du public, et qui va faire quoi, qui va payer quoi, qui va facturer, c'est d'une complexité quand même très importante, et là aussi on a suivi les conseils de la région Wallonne qui a déjà pu étudier aussi ce réseau de chaleur pour accueillir ici à Jalais, et idem pour ça. C'est tout à fait faisable. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une complexité. Mais... Il y a une complexité, oui. Donc, voilà. Il ne faut pas oublier non plus que si la commune facture au-delà d'un certain montant, pour le moment, elle est non assujettie à la TVA, mais à partir d'un certain moment, elle devient assujettie à la TVA. Et ça devient alors beaucoup plus compliqué, et financièrement, ça pose problème aussi pour la commune. Mais il y en a qui le font, mais bon. Ben voilà, pour nous, c'est un peu après de se limiter, parce que pour une manière d'aller un peu plus loin. Mais c'est déjà bien. C'est déjà très bien. C'est bien. Peut-on passer au vote? Très bien, maintenant, je retiens. On peut passer au vote? Oui. 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 Abstention. Abstention. Oui. 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 Et oui, le point suivant, parce que nous avons un conseil communal qui est quand même très important aujourd'hui. Première modification budgétaire 2021 de la commune. Éric, je te passe la parole. Oui, à votre commencer, je voudrais quand même dire qu'il y a quatre points que vous venez d'approuver à l'unanimité.
qui se trouve dans la modification budgétaire. Je suppose que vous allez continuer sur votre lancée. Vous êtes cohérent, vous avez les moyens. C'est ça. Ben oui, il n'y a plus que 4 points. Alors, pour la modification budgétaire, je vais commencer d'abord par les chiffres à l'extraordinaire, avec quelques commentaires. Puis je passerai à l'ordinaire et puis je ferai quelques commentaires. Au niveau de l'extraordinaire, il y a des projets aux exercices antérieurs qui ont été adaptés avec des dépenses supplémentaires de 698 788 euros. Il s'agit essentiellement, pour les deux plus gros, de l'école de Sarre. Il faut adapter le montant, hein, comme aussi la salaire de l'école de Sarre. Mais aussi pour 465 000 euros, mais aussi au niveau du Ravel pour 200 000 euros, 210 000 euros. Au niveau de l'exercice propre, il y avait les projets qui étaient déjà prévus dans le budget, qui sont adaptés pour un montant de 475 000 euros. Mais il y a aussi des nouveaux projets, enfin, quand je dis nouveaux projets, ce n'est de nouveaux projets au niveau budgétaire, mais c'est des projets qui étaient bien connus pour certains, subis et aléatoires pour d'autres. Alors, bien connus, donc il y a des nouveaux projets pour 2 838 000 euros. Dedans, il y a évidemment le projet de la transformation du bâtiment du CPS pour 2 820 000 euros. C'est un nouveau projet budgétairement, mais c'est un projet qui est connu de longue date. Alors, les projets subis, il y a la rénovation du pont Gouy pour 50 000 euros et la réfection de différentes passerelles pour 13 000 euros. Ça, c'est les conséquences directes, évidemment, des inondations. Au total, pour l'extraordinaire, il y a des augmentations de dépenses de 4 123 788 euros. Et au final, pour tout le budget, si on ajoute ces dépenses en plus, on a pour l'exercice propre des dépenses pour 5 435 450 euros et pour les exercices antérieurs, des dépenses de 3 549 197 euros. Ce qui signifie que au budget, nous avons donc des dépenses pour 9 053 573 euros sur un budget ordinaire de 10 millions d'euros. Donc 9 53 573 euros. Ce qui signifie que c'est beaucoup d'ambition. Beaucoup d'ambition dans les investissements. Investissement notamment pour les économies d'énergie, pour la mobilité, si vous regardez bien le projet, et aussi pour les conditions de travail du personnel, ainsi que pour l'accueil des citoyens. Ça, c'est pour le projet, le budget extraordinaire. Au niveau ordinaire, au niveau des exercices antérieurs, là, il y a des dépenses en plus pour 6 087 euros, des augmentations, des dépenses en moins pour 40 026 euros, ce qui fait au total des dépenses en moins pour 33 938 euros. Des recettes en plus à l'ordinaire, aux exercices antérieurs, des recettes en plus de 652 161 euros. Évidemment, là-dedans, peut inclus le résultat du compte 2020 qui était de 520 576 euros. Et des recettes en moins pour 12 404 euros, ce qui fait des recettes en plus de 639 757 euros. Ça, c'est pour les exercices antérieurs. Au total, si on fait des recettes en plus en moins, avec les dépenses en plus en moins, on a un solde de plus 605 818 euros. Et au budget total, on a un boni pour les exercices antérieurs de 1 284 380 euros.
Quant à l'exercice propre, maintenant, ça c'était les exercices antérieurs. À l'exercice propre, on a des dépenses en plus de 733 784 €, ce qui est énorme. Et il faut savoir que là-dedans, il y a 300 000 € de prélèvement pour financer l'extraordinaire, hein, puisque 9 millions d'euros, vous savez que l'extraordinaire se finance soit par des prélèvements, hein, donc c'est ce qu'on va appeler entre guillemets par fonds propres, soit par emprunt, soit par subside. Alors pour l'exercice propre, donc, des dépenses en plus pour 733 000 €, mais là-dedans, en réalité, si on supprime les prélèvements, c'est 433 784 €. Ce qui fait beaucoup, je vais y revenir. Et des dépenses en moins, 200 049 €. Ce qui fait résultat pour les dépenses, des dépenses en plus pour 533 734 € moins les 300 000 pour financer l'extraordinaire. Alors au niveau des recettes, il y a des recettes en plus pour 159 800 €, des recettes en moins pour 13 304 €, ce qui fait des recettes en plus au total pour 146 496 €, ce qui donne un solde de 387 000 €. Et sur lesquels on prélève 300 000 €, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous fait un déficit finalement de 87 237 €. Ça, c'est pour la modification à l'exercice propre. Maintenant, quand on l'intègre dans le budget total, ça nous fait un boni de 19 879 €. Je répète, 19 879 €, c'est-à-dire le résultat du budget pour l'exercice propre. Et donc, au global, on ajoute ce résultat-là au résultat des exercices antérieurs, on enlève 580 000 pour financer l'extraordinaire de prélèvement, et on obtient un boni global de 724 259 €. J'aimerais revenir sur le boni de l'exercice propre de 19 879 €. Mais avant ça, j'aimerais soulever quand même quelques éléments qui font que les dépenses en modification budgétaire ont explosé. La première, si vous avez parcouru la modification budgétaire, c'est l'assurance loi. Vous avez vu qu'il était inscrit 45 000 € et que l'on ajoute 91 050 € de dépenses, ce qui fait au total un montant de 136 000 € à peu près. Il faut savoir que notre assureur a cassé le contrat parce qu'il considérait que les dépenses, les remboursements liés à ce contrat qu'il devait faire étaient trop importants, et donc il a cassé le contrat, c'était sur le 3, c'est dans la loi. Et donc il a fallu refaire un appel d'offres pour cette assurance-là. Et les remises de prix étaient de cet ordre-là. Et c'est le même assureur qui a gagné le marché, comme toujours, mais avec 91 000 € de supplémentaire, de dépenses, de primes supplémentaires. Voilà, on ne sait pas y échapper. Modification du fonds de pension des mandataires. Ça remonte le fonds de pension des mandataires à une époque où ce n'était pas encore nous dans la majorité, qui avait été créé, et il faut l'adapter parce qu'on constate que d'ici 2 ou 3 ans, il sera en négatif. Et pour ne pas être négatif, le fonds de pension, c'est quand même important. Il faut l'adapter. C'est pour ça qu'on a modifié le contrat et que ça nous fait une dépense de 15 407 € en plus. Les dépenses de personnel augmentent, et je l'avais déjà dit, c'est vraiment de nos gros problèmes, c'est les dépenses de personnel, augmentent d'environ 180 000 €. C'est
Et aussi, si vous regardez bien les dépenses, notamment à la fonction pompier et à la fonction voirie, il y a des augmentations pour environ 120 000 euros qui sont liées aux interventions pour les inondations. Vous savez, les travaux, et aussi au niveau pompier, c'est le PGU, le plan d'intervention. 120 000 euros, plus les montants à l'extraordinaire, plus les montants à venir. Alors, ces dépenses-là font que il a fallu trouver un équilibre, pour trouver ces fameux 19 000 euros de boni, il a fallu aller rogner sur plein d'autres postes, et c'est ça que vous voyez dans la modification budgétaire, diminution de certaines dépenses, ben, il y en a une flopée, il y a parfois des petits montants, parce que les petits montants, ben, à la fin, on arrive à obtenir un équilibre, et donc ça a demandé un travail important de gestion. Donc il a fallu gratter. Alors vous le voyez, c'est difficile, ça devient de plus en plus difficile d'établir un budget à l'exercice propre, hein, ou global, ça va encore, pour des raisons conjoncturelles, comme les inondations, comme le Covid, ça intervient aussi, mais aussi pour des raisons structurelles, comme le coût des assurances, hein, ça va durer, comme les charges personnelles, les dépenses de transfert aussi, puisque on met de plus en plus de charges sur, par exemple, le CBS, qui est obligé d'augmenter sa demande de dotation communale, puisqu'il y a des charges en plus, on vient d'en parler lors de la modification budgétaire. Notons encore que la vente de bois, hein, où on nous avait dit qu'au budget précédent, que tout allait bien, Madame la Marquise, ben, depuis 2018, ça a généré une baisse de 43% des recettes par rapport à cette année 2021, puisqu'on passe de 813 000 euros en 2018 à 350 000 euros en 2021. Et si je compare à 2020, c'est même une diminution, c'était à l'époque une diminution de 69,5%. Hein, donc on n'est pas du tout revenu comme on nous a laissé croire précédemment aux situations de départ. Hein, je tenais quand même à le signaler, mais j'espère que la prochaine vente des bois dont on vient de parler va permettre de revenir à une situation plus normale. Pourquoi ? Parce que nous en avons besoin pour les dépenses structurelles dont je viens de parler. Répétons également que de plus en plus de compétences sont transférées et ajoutées aux communes. J'ai, par exemple, je l'ai déjà dit, mais je cite encore d'autres exemples, la gestion de certains cours d'eau qui sont maintenant dévolus aux communes, l'augmentation des missions du CPS, on vient d'en parler, les différents codes nouveaux comme le code du patrimoine, le COPA, ce qu'on appelle le COPA, les SAC, les sanctions administratives où on nous impose des nouvelles missions là-dedans, la numérisation des archives qui vont nous demander du personnel supplémentaire que l'on nous impose, l'obligation d'utiliser des logiciels pour l'état civil, pour les cimetières, pour l'urbanisme, pour plein d'autres secteurs. Oui, mais quand on regarde l'évolution des dépenses en informatique, c'est exponentiel. Donc ça, ce sont des dépenses structurelles, des augmentations de dépenses structurelles qu'il faut pouvoir combler. Enfin, gardons aussi à l'œil que l'avenir reste très incertain. En effet, quelle sera l'ampleur de l'inflation, puisque pour le moment, on constate le démarrage d'une inflation. Comment va évoluer le coût de l'énergie, dont l'augmentation, on le voit actuellement, a un impact
direct sur nos finances. Bref, les finances communales sont de plus en plus dans une situation délicate. D'ailleurs, les autorités régionales en sont bien conscientes, puisqu'elles la remettent ouvertement, pensons au discours des fêtes de Wallonie, et autorisent d'ailleurs les communes à avoir un déficit de 5% pour le budget 2021. Pour le budget 2020, c'était 3%. Ça augmentait. Alors, il faut dire que malgré cette situation difficile, la commune de Jarlais continue d'avoir de l'ambition. Plus de 9 millions d'euros de dépenses à l'extraordinaire. Non seulement ça, elle a toujours un taux d'additionnel à l'IPP de 6,8%. C'est-à-dire qu'elle reste la commune la moins taxée de la région verviétoise, 6,8%. Quoi qu'on dise, certains. C'est aussi la deuxième commune sur le podium des communes les moins taxées pour le PRI, pour cette même région. Affirmer le contraire, me semble-t-il, surtout sans proposer d'alternative bien pensée, qui a lieu, à mon avis, de la critique facile, j'ose le mot, voire du populisme. Si vous avez des questions sur la modification budgétaire, je vous dis. Vincent, je vous donne la parole. Je retiens le mot populisme, monsieur. C'est le reflet de votre politique. Et d'abord, merci pour la présentation. C'est le reflet de votre politique, donc les modifications budgétaires suivent votre politique. Ce n'est donc pas évidemment la nôtre. Donc nous voterons contre ces modifications budgétaires. Ok, et à vous. J'ai juste une petite précision au sujet de 9 millions d'investissements. Ouais. On peut avoir une idée du rapport entre les fonds propres, les emprunts et les transferts. Pas de problème, je peux dire ça aussi. Pas pour les 9 millions. Je vais te donner ça maintenant pour la modification budgétaire. Ouais. C'est-à-dire pour les 4 123 788. Si tu veux, je vais voir après dans le budget. Hein, je m'ajouterai pour te donner les données. Mais pour les 4 123 788, il y en a 261 788 par fonds de réserve, c'est-à-dire par le prélèvement, 1 828 000 par emprunt et 2 024 000 par subsidie. Pour la modification du budget. Oui, c'est le budget. Non, oui, c'est ça. Beaucoup de soucis. Ouais. Pas d'autres questions. Et on espère en avoir plus encore, hein, parce que celui-ci, c'est l'intention. Ouais. On est aussi à la chasse, et j'espère qu'on pourra avoir de bonnes nouvelles bientôt. Pas d'autres questions. Voilà, mais pour le reste, si vous me faites à la vie, c'est votre politique, donc nous allons vous. Eh bien, on va quand même voter, hein. Non. 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 Abstention. Pas sens. Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est le règlement de taxe communale à l'additionnel à l'impôt des personnes physiques pour l'IPP et les lignes de passe. Je viens de faire le commentaire dans la présentation de la modification budgétaire, il ne reste pas 6,8%. Donc, je n'ai pas de commentaire particulier à faire en plus. Avez-vous des remarques à ce sujet-là? Non. Vincent? Non. On peut passer au vote? Non. 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 Oui. 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 Et oui, le point suivant, c'est le PRI, le prix compte immobilier. Éric, je te passe la parole. Même remarque pour l'IPP, j'en ai parlé juste précédemment, il reste 2200 centimes additionnels. Donc, un commentaire supplémentaire. Mais qu'est-ce que les remarques? Non. 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 Plus, on peut passer au vote? Non. 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 Oui. 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 Et oui.
fixation du taux de couverture des coûts en matière de déchets ménagers pour l'exercice 2022. Éric, je te passe la parole là. Oui. Alors, vous savez tous, vous l'avez reçu aussi dans, comme toute boîte, si vous l'avez reçu, un document qui expliquait que vous passez au système de conteneurs à puce pour la récolte des, de ce qu'on appelle les déchets résiduels, les DMR et les déchets organiques. Et donc, vous savez qu'on est tenu à avoir un coût vérité, c'est-à-dire que les recettes liées aux déchets compensent exactement les dépenses liées à la collecte et le traitement de ces déchets. Alors évidemment, ici, l'exercice est un petit peu plus hasardeux puisqu'on change de système. Enfin, c'est basé sur les années précédentes au niveau des volumes, mais on s'est basé aussi sur des estimations qui ont été faites par Intradel et qui nous ont bien aidés dans ce travail-là, puisqu'ils ont une expertise bien connue à propos de ces coûts-là. Alors ça simplifie un peu les choses au niveau des recettes, puisqu'on n'a plus que trois postes. Le poste de la taxe forfaitaire, 445 240 euros. Le poste de la taxe proportionnelle, 124 466 euros. Et un peu de vente de sacs poubelles, 2100 euros. Je vous en parlerai tout à l'heure quand on parlera de la taxe. Au niveau des dépenses, ben ça c'est les dépenses, je vais dire, normales et habituelles, sauf qu'il n'y a plus d'achat de sacs poubelles. Et sinon, c'est toujours valorisation énergétique, collecte de porte-à-porte, recyclage, parc, etc. Et le conteneur, papier carton, entretien des bulles à verre, et aussi la collecte des encombrants par AirCycle, puisque vous savez qu'on a un partenariat avec AirCycle pour la collecte des encombrants. Nous avons des recettes pour 571 806 euros. Des dépenses pour 568 926 euros, ce qui fait un coût vérité de 101%. Voilà. Estimation pour le budget 2022. Le tout est fixé, enfin, fixé par rapport aux recettes et dépenses. C'est une estimation, de toute façon. Oui, c'est une estimation. Comme toujours, pour la coût vérité. Hein. Oui, on est obligé de le faire comme ça, on ne sait pas faire autrement. Donc, ce que je vous propose, on va repasser au débat, c'est de passer au point suivant, où c'est justement le nouveau règlement de taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers. Éric. On peut le voter maintenant. Le débat, c'est pour le coup. Non, c'est un vote, hein. C'est un vote, oui. 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 Voilà, le point suivant, c'est le règlement de taxe communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers. Et pour l'exercice 2022, Éric, je te repasse la parole. Alors ici, vu que c'est assez complexe, je vous propose aussi un petit PowerPoint. Donc, vous savez, on vient d'en parler. Vous êtes au courant, on remplace les sacs par les conteneurs. Les sacs, ce sont les sacs de la commune. C'est sur photographie à gauche là. Et les conteneurs, c'est ces conteneurs-là. Les gris, c'est pour les déchets résiduels. Et les verts, c'est pour les déchets organiques. Puisque nous sommes obligés, à partir de 2023, de collecter séparément les déchets résiduels des déchets organiques. Nous avons délégué cela à l'intérieur. Alors,
Il faut savoir que les conteneurs, vous en avez de deux sortes pour chaque. Donc pour les résiduels, vous avez des tout grands de 140 litres qui sont tout à fait à droite là. Et les autres plus le petits, les gris, sont de. Les petits, c'est 140 litres, les tout grands, c'est 240 litres. Par contre, pour les organiques, les petits, le plus bas des verres, c'est 40 litres et le plus grand c'est 140 litres comme le type résiduel. Alors, par défaut, un isolé et un ménage de deux personnes recevront des conteneurs petits, je veux dire, et les ménages de trois personnes et plus recevront des conteneurs résiduels, les grands, et organiques aussi. Il faut savoir que si ça n'arrange pas quelqu'un, il pourra le faire savoir et il pourra changer rapidement. Donc ça c'est un point de départ. Alors, il faut savoir qu'il y a des contraintes légales, c'est ça qui pousse à changer. Il y a notamment une directive européenne qui impose le tri de l'organisme à partir de 2023, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a aussi le fameux coût vérité. Les recettes doivent couvrir les dépenses. Et il y a aussi le principe du pollueur-payeur, arrêté par la région Wallonne. C'est ainsi que plus une commune dépose à l'incinérateur, plus elle ne doit pas payer. Si par exemple 12 euros la tonne, ça va passer, semble-t-il, à 25 euros. C'est pour encourager le tri. Ça, c'est des éléments, je veux dire, les contraintes légales. Maintenant, au-delà de ça, il y a aussi toute une série d'autres arguments qui sont liés évidemment à l'environnement, à l'importance et l'intérêt de bien trier les déchets, de pouvoir les traiter avec le moins d'impact possible, sur l'environnement. Donc il y a aussi cette dimension. Donc, encourager avec le bâton et aussi la carotte, chacun à trier davantage ses déchets. Alors il faut savoir que les conteneurs vont être ramassés par des camions, tel que celui qui est représenté de l'arrière sur la photo de droite. C'est-à-dire c'est un camion double avec une partie plus large qui concerne les conteneurs résiduels, une partie gauche. Quand on regarde de l'arrière, les étroites qui concernent les organiques. Ce sont donc des camions qui sont plus gros, plus volumineux que les précédents et qui ne vont peut-être pas accès partout. C'est pour ça que dans certains cas, la commune imposera à certains contribuables, non pas les conteneurs, mais l'utilisation de sacs. Dans les recettes pour la vente des sacs. Alors, ce ne sont plus des sacs de la commune, mais ce sont des sacs intravel, tel que sur la photo du milieu, pour les résiduels, les déchets résiduels, et à droite, ce sont des sacs biodégradables pour le compostage. Alors, il y a certains, le camion ne sait pas aller faire l'enlèvement, qui se verront imposer l'utilisation de ces sacs. Le collège a voulu garder aussi la possibilité d'autoriser certains qui font la demande pour avoir des sacs dans certains cas bien précis. Je vais prendre un exemple, si quelqu'un est handicapé, a des difficultés pour déplacer un conteneur, etc., c'est peut-être plus facile pour lui un petit sac. Mais dans certains cas, il n'y a pas une autorisation. Il faut qu'elle soit bien motivée, évidemment, pour ne pas passer à côté de l'objectif. Alors, en ce qui concerne la taxe, bien sûr, ce sera le 1er janvier 2022 et en décembre 2022. Et c'est une taxe double, c'est-à-dire qui est constituée d'une partie forfaitaire et d'une partie proportionnelle. On va d'abord s'arrêter sur la partie forfaitaire de la taxe. Elle concerne
Donc elle est estimée par ménage. Donc c'est par ménage qu'on paye la taxe. Ménage inscrit au registre de la population, au registre des étrangers, au 1er janvier 2022. On va voir après que ça a une importance. Et on ajoute pour les secondes résidents, pour les secondes résidents, au 1er janvier 2022. Alors, qu'est-ce que comprend cette taxe? Donc, elle permet d'utiliser toute une série de services. C'est la fourniture, évidemment, des deux conteneurs à puce, sauf, évidemment, pour ceux qui doivent utiliser les sacs. On va voir qu'il y a d'autres possibilités après. La collecte hebdomadaire des déchets organiques et des déchets résiduels au moyen de deux conteneurs à puce. Alors, je pense que ce sera lundi, si vous me trompez. Donc, chaque semaine. Alors, toujours la collecte bimensuelle des PLC et des papiers cartons. La collecte toutes les 8 semaines, comme maintenant, des sacs transparents pour les films plastiques. L'accès complet au réseau des reciparcs et du laver de l'être communal à Travel. La fourniture d'un rouleau de sacs PMC par an et par ménage, c'est inclus dans la taxe. La participation aux actions de prévention et de communication, vous avez à travers toute une série d'actions, notamment dans les écoles, mais pas seulement, c'est financé par cette taxe. Et alors, un quota global de 30 levées des conteneurs à puce par an et par ménage, à l'exception des contribuables évidemment autorisés à utiliser les sacs à déchets. Attention, c'est important de le préciser, une levée est comprise par conteneur. Donc si alors vous mettez un conteneur gris et un conteneur vert, ça comptera pour deux levées. D'accord ? Le traitement d'une quantité de 50 kg par personne et par an. Attention, si les levées, c'est par ménage, les kilogrammes, c'est par personne. Donc, si vous avez un ménage de 2 personnes, bien, c'est 100 kg pour l'année. Toujours à l'exception de ceux qui ouvrent les sacs. Le traitement d'une quantité de 25 kg par personne et par an, toujours par personne pour les déchets organiques. Et pour les contribuables obligés ou autorisés à utiliser des sacs, donc c'est obligé parce que le canon s'est parlé, ou autorisé si on fait la demande et que ça a été imposé, eh bien eux, ils auront une fourniture de 10 sacs à déchets résiduels de 60 litres par habitant et par an, mais avec un maximum de 4 sacs de 10, enfin de 4 paquets de 10 sacs par ménage. Et pour les déchets organiques, 5 sacs de déchets organiques biodégradables de 30 litres par habitant et par an, mais avec un maximum de 2 fois 10 sacs par ménage. Et aussi évidemment le recours à R-Cycle pour les encombrants, qui sera inclus dans cette taxe forfaitaire. Alors, quel est le taux de la taxe? C'est la cause. Pour un isolé, 80 euros. Pour un ménage constitué de 2 personnes, 120 euros. Pour un ménage constitué de 3 personnes, 140 euros. De 4 personnes et plus, 160 euros. Et comme on a ajouté les seconds résidents, pour les seconds résidents, 140 euros. Il est bien clair que pour certains, c'est supérieur aux 90 euros de précédemment, mais est inclus dedans, évidemment, des levées et des poids. Tandis qu'avant, il fallait acheter les sacs poubelles au préalable. Il faut comparer ce qui est comparable. Alors, ça c'est une chose. Il y a un autre point important, c'est les déchets que l'on appelle les assimilés. En fait, c'est exactement la même chose, sauf que ici, ça concerne les maisons de vacances, les gîtes, les hôtels, les chambres d'hôtes, les bureaux, les professions libérales, les petits commerçants et les indépendants. Alors, eux, ils peuvent choisir de payer une taxe forfaitaire. Ils ne sont pas obligés. Donc, soit ils payent rien, mais ils n'auront pas de service.
c'est-à-dire que cette taxe forfaitaire leur permettrait d'avoir les conteneurs à puce, d'avoir la collecte hebdomadaire de déchets organiques et résiduels, la collecte de PMC et de papier et carton, toutes les choses, toutes les deux semaines, la collecte de toutes les 8 semaines de sacs transparents et le retour à R-Cycle pour les environnements. Donc celui, l'entreprise qui choisirait par exemple d'avoir ce service-là, elle paierait une taxe forfaitaire de 50 euros. Voilà. Pour la forfaitaire, on va voir qu'il faut la lier évidemment après à la taxe proportionnelle. Alors, il est prévu toute une série d'exonérations pour cette taxe, comme précédemment pour les services d'utilité publique, la prime non, le ressortissant de l'État, la région, la province ou la commune. Cette exonération ne s'étend pas aux parties d'immeubles communes créées par les agents, évidemment. Un agent communal n'a pas l'exonération de la taxe. Les personnes qui séjournent dans les maisons de repos, de soins ou assimilées sont aussi exonérées de la taxe. Les mouvements de jeunesse et les associations sportives et culturelles. Et alors, lorsque le bien immobilier dans lequel une personne physique exerce son activité professionnelle coïncide avec le domicile, ça veut dire quoi? Ça veut dire, rappelez-vous, avant on a parlé des assimilés, des déchets assimilés, ils pouvaient prendre le forfait, la taxe forfaitaire de 50 euros ou pas. Si cet assimilé a son activité dans la maison où il vit avec son ménage, eh bien, le ménage peut choisir de ne pas payer la taxe forfaitaire pour le ménage, mais de payer celle pour l'assimilé à 50 euros. Attention, on va voir que au niveau de la taxe proportionnelle, il n'y a pas de bonification. On est d'accord ? Alors ensuite, il y a des réductions aussi pour cette taxe forfaitaire. Une accueillante d'enfants à domicile reconnue par l'ONI, 40 euros de réduction. Le redevable qui a bénéficié pendant 6 mois pour l'exercice du droit à un minimum de moyens d'existence, 40 euros de réduction. J'ai raccourci dans le texte un peu plus long, c'est ça que ça veut dire, avec attestation du CRS. Et tout ménage qui, au 1er janvier de l'exercice, compte un ou des enfants de moins de 3 ans peut bénéficier d'une réduction de 30 euros par enfant de moins de 3 ans. Alors, ça c'était pour la partie taxe forfaitaire. Pour la partie taxe proportionnelle, elle est due à partir du 1er janvier par les ménages. Alors, dans un premier cas, pour les contribuables qui utilisent les conteneurs à puce, il y a la taxe proportionnelle due lorsque le nombre de levées autorisées par ménage, c'est-à-dire les 30 levées, est dépassé. Elle s'applique alors pour les levées. Pour les déchets ménagers résiduels au-delà de 50 kg par personne et par an, elle s'applique aussi. Et pour les déchets ménagers organiques, au-delà de 25 kg par personne et par an, elle s'applique aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, a utilisé ses conteneurs et a fait qu'il y a eu 25 levées, mais qu'il a mis plus de 50 kg par personne et par an, eh bien, il ne devra pas payer la levée, mais il devra payer un complément pour ce qui va dépasser les 50 kg par personne et par an. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est valable dans l'autre sens aussi. Alors, pour
ceux qui sont obligés ou autorisés à utiliser des sacs, bien, évidemment, la limite est différente, c'est la même limite que celle qu'on a signalée tout à l'heure, c'est 10 sacs. Quand tu dépasses 10 sacs à déchets résiduels, de 60 litres par habitant et par an, avec un maximum de 90 sacs par ménage, et quand tu dépasses 5 sacs à déchets organiques de 30 litres par habitant par an, avec un maximum de 2 familles sacs par ménage. Donc, s'il dépasse finalement ce qui est compris dans la taxe forfaitaire, eh bien, il doit payer la taxe proportionnelle. D'accord ? Alors, pour les déchets issus des ménages inscrits au registre de la population après le 1er janvier de l'exercice d'acquisition ou recensés comme second résident, ceux-ci bénéficieront des services liés à la taxe forfaitaire, excepté le véhicule et sac à inclus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on avait dit que la taxe forfaitaire était due à partir du 1er janvier. Celui qui arrive sur la commune après le 1er janvier ne paye pas la taxe forfaitaire, puisqu'elle est due au 1er janvier, mais celui-là, comme il ne paye pas la taxe forfaitaire, il ne bénéficiera pas des 30 veilles, des 50 kg par habitant et par an, et donc il paiera de suite la taxe proportionnelle. Voilà. Alors, la taxe proportionnelle, donc c'est ce qu'on précise ici, après le 1er janvier, elle est due pour les déchets ménagers résiduels dès le premier kilo, pour les déchets ménagers organiques dès le premier kilo, et pour toute levée de conteneurs. Alors, quel est le taux? Alors, pour ceux qui utilisent les conteneurs à plus, c'est 1 euro par levée. Au niveau de la masse, je crois, c'est 80 cents par kilogramme pour tout kilo de déchets ménagers résiduels et 20 cents par kilogramme pour tout kilo de déchets ménagers organiques. Ça, c'est pour les conteneurs. Pour ceux qui sont obligés de prendre des sacs, ou bien ceux qui sont autorisés à prendre des sacs, c'est 20 euros le rouleau de 10 sacs de 60 litres, mais par vente à l'unité, c'est la vente par rouleau, et 8 euros le rouleau de 10 sacs de 30 litres pour le biodégradable, par votre mobilité non plus. Alors, la taxe proportionnelle pour le déchet assimilé, donc, rappelez-vous, c'est l'entreprise qui décide de payer les 50 euros, ou bien la famille ou l'entreprise se trouve qui a choisi d'être assimilé, c'est-à-dire de payer les 50 euros et pas la taxe forfaitaire pour le ménage. Eh bien, la taxe proportionnelle liée au nombre de levées s'applique dès la première levée. Donc, il ne paye que 50 euros de forfait, mais s'il faut lever, il paye de suite la taxe proportionnelle. En fait, c'est un petit peu, pas complètement, mais un petit peu ce qui remplace le conteneur de l'entreprise, le gros conteneur qui est évacué par une autre société qui a travaillé. Donc en fait, ce n'est pas intérêt à utiliser des conteneurs à plus. Donc la taxe proportionnelle liée au poids des déchets de côté s'applique pour les déchets résiduels dès le premier kilo, pour les déchets organiques dès le premier kilo. Alors, le taux de cette partie proportionnelle, c'est le même, c'est un niveau à lever, 80 cents pour les résiduels et 20 cents pour les organismes. La taxe proportionnelle pour les déchets assimilés s'applique à la personne physique exonérée de la taxe sur les ménages. Ce que je disais tout à l'heure, si le ménage a choisi de prendre l'assimilé, donc celle de l'entreprise, eh bien, ça s'applique pour elle. Pour le ménage. Alors il y a des exonérations, tout redevable qui, ou dont un membre du ménage souffre d'une incontinence chronique ou qui nécessite une technique médicale de dialyse, à sa demande, il peut avoir une exonération de la taxe proportionnelle qui équivaut à un maximum de 700 kg. Voilà, pour les
garde automatiquement sur les frais réclamés, ça coûte plus cher. Voilà ce qu'on retrouve dans ce règlement fax. Je précise que ici, moi, je m'occupe du règlement taxe. Hein. Pour tout ce qui est cette nouvelle technique de collecte et de traitement des déchets, il y aura évidemment des informations qui seront à la population et au travers de toute boîte. Ici, c'est parler de la taxe. Voilà, je sais pas si... Il y a des questions, on commence par qui ? Didier ? Je voulais d'abord savoir les quantités qui sont fixées de 50 kg par personne par an, c'est fixé par la TRADEL, c'est la fin de la Donc, TRADEL, de toute façon, nous impose, nous facture un certain nombre de levées, un certain nombre de kilos, de toute façon. Donc, ce n'est pas proportionnel dès le début ce qui facture à la commune. Maintenant, la commune, elle a une marge de manœuvre, elle peut dire, elle peut descendre en dessous des 30 levées, pour dire 20 levées, oui. En sachant que de toute façon, elle devra en payer 30. Hein. Oui. Donc, nous, on a suivi les... Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a aussi utilisé un tableur Excel où on a intégré différentes possibilités pour voir où on se situait au niveau du coût vérité, en disant on réduit le nombre de levées, on augmente le nombre de kilos, etc. On a joué comme ça pour essayer d'arriver à 100% du coût vérité, ce qui était un exercice qui n'était pas facile. Mais la volonté, c'était que la taxe forfaitaire puisse quand même permettre aux gens d'évacuer en triant le mieux possible les déchets, mais en essayant de limiter au maximum en créant une taxe proportionnelle. Voilà, maintenant, tout peut se discuter au niveau des chiffres, c'est la première fois. Première année qu'on le fait, d'après ce que l'on a estimé, évalué, ça nous semblait être plus pertinent. Et on a suivi un petit peu les conseils d'Intradel aussi, quand même, qui ont l'habitude maintenant de ce système de collecte de déchets sélectifs. Parce qu'il y a d'innombrables possibilités, on peut diminuer quelque chose, on peut en faire une autre, comme disait Eric, mais il faut qu'on arrive à. Bien faire dans les environs de 100% de coût vérité pour le traitement des déchets. Notre commentaire là-dessus, c'est que je trouve un peu dommage d'avoir fixé la commune soit fixée à 50 kg par personne parce que les citoyens qui sont vraiment impliqués dans des démarches zéro déchet seront certainement en dessous ou même bien en dessous des 50 kg par personne et par an. Donc c'est quelque part un peu contradictoire avec le point suivant concernant les actions zéro déchet. D'un autre côté, si le forfait est plus bas, les personnes qui produisent des déchets justement sans y faire attention ont peut-être plus tendance à aller faire des dépôts sauvages ou tricher d'une manière ou d'une autre sur le système. Donc c'est un point qu'on prend tout à fait en compte aussi et il faut bien trouver un équilibre entre les deux. Donc on est d'accord avec votre proposition ici. Ce qu'on espère juste, c'est peut-être que l'année prochaine, on puisse faire une évaluation, comment ça se passe. Et peut-être éventuellement à ce moment-là réajuster en fonction de l'expérience qu'on aura. Maintenant, il y a une chose pour laquelle qu'il faut garder à l'œil aussi, c'est que elle travaille si elle impose un certain nombre de levées, c'est parce qu'il y a des coûts fixes pour eux qui doivent être faits. Je prends l'exemple, ils passent chaque semaine avec les camions. Oui. Mais s'il y a deux fois moins de containers, ils doivent quand même passer partout. Ah ouais. Et donc leurs frais fixes, ils doivent être aussi compensés. Oui. Et autre chose, je pense, parce que on doit être pour le moment à 126 kg de déchets par habitant. Donc on va réduire à 50. C'est déjà, il faut déjà que les gens quand même se mettent en tri. Si on arrive, si tout le monde arrive à ne pas dépasser les 50 kilos, c'est extraordinaire. Hein? On est à 126 kilos par habitant. Oui, en moyenne. 126,12 même, pour dire donc. Mais oui, pour plus précis,
Voilà, c'est déjà un bel effort, mais on devra réévaluer ce genre de choses. Ou on doit aussi qu'être honnête, n'augmente pas tellement ces coûts d'incinération. Parce que je pense que le problème, c'est que les frais augmentent de plus en plus. Hein, donc il faudra qu'on reste correct le niveau. Les recettes et les dépenses dans le même système. Ils ont quand même, la Fradel a fait un projet de chauffage urbain. Oui, mais c'est une société, c'est une intercommunale. On n'est pas dans une intercommunale, vous autres. Oui. Bon, voilà. Je sais pas. Vincent, après la fin. Oui. Donc, tout d'abord, notre groupe, évidemment, soutient le passage au conteneur. C'est évidemment un passage logique. Et le fait de commencer à taxer en fonction de la production réelle de déchets est la bonne manière de faire. Cela aussi permettra d'améliorer les conditions du travail. Et également, cela réduira la pénibilité du personnel de collecte. On s'est un petit peu renseigné, on est allé voir un petit peu les chiffres, etc., auprès d'Altradel, et notre groupe a fait un petit résumé financier, un peu plus précis, des conséquences du passage au conteneur à bus. Les données, la quantité de déchets ménagers récoltés en 2020 est de 126,12 kilos par habitant, source communale, ce que nous avions écrit. La quantité moyenne observée sur sa zone de couverture en 2020 par Altradel est de 102 kg ménagers résiduels et 39 kg organiques par habitant. Statistique pour les communes avec conteneur à plus. Le forfait pour une famille de 4 personnes, comme tu nous l'as montré, 160 euros, comprenant donc 30 levées, 50 kg de résiduels et 25 kg d'organique par habitant. Le poids moyen d'un conteneur rempli résiduel pour celui qu'on a vu, le conteneur de 240 litres, est de 16 kg. Et pour l'organique, 20 kg pour un conteneur de 140 litres. Ce sont les contenances conseillées par Altradel pour une famille de 4 personnes. C'est une source d'Altradel. Le poids moyen du sac poubelle est de 7 kg pour un grand sac de 80 et il est à 1,5 euros par sac. Le prix du traitement dépassant le forfait est de 80 cents de kilo résiduel et donc 20 cents de kilo organique. Alors on a effectué un petit calcul. Cela fait donc pour une famille de 4 personnes, comme c'est souvent l'exemple que tu utilises Eric, quand tu présentes tes chiffres. Donc dans un premier temps, nous avons cherché à estimer la proportion résiduelle et organique. Le rapport 2020 d'Altradel nous donne 38% d'organique et 62% de résiduel. Donc pour un ménage jalétois de 4 personnes, donc c'est un ménage moyen, cela générerait donc 126 fois 38% fois 4, 4 personnes dans le ménage, égale 191,5 kg d'organique. 126 fois 62% fois 4, égale 312 kg de résiduel. Le forfait donne droit, si on l'a bien vu, à 200 kg de résiduel et 100 kg d'organique et 30 levées par conteneur. Donc nous sommes là, au-delà du forfait, de ce que l'on a vu tout à l'heure. La différence à payer serait donc, selon nous, de 91,5 kg fois 20 cents, ça donnerait donc 18,3 euros pour l'organique, et comme on serait à 112,5 kg à 80 cents, ce serait donc 90 euros pour le résiduel. Si on sort le conteneur uniquement quand il est rempli, ça fait donc 312 kg divisé par 16 kg, égale 20 levées, donc on est bien en dessous des 30 levées. Également, les 191 kg divisé par 20, parce que tout à l'heure on parlait de 20 kg d'organisme, c'est égal à 10 levées pour un conteneur, donc on ne dépasse pas non plus le montant maximal des levées. Si on ajoute maintenant les 160 euros de forfait, le budget total avec conteneur à plus est donc de 268,3 euros par an. Si on compare avec la situation actuelle, on a une taxe forfaitaire de 90 euros et le coût des sacs, donc 126 divisé par 7, qui est le kilo moyen d'un sac, donc ça qu'on l'a pesé,
fois 1,5 euros égale 108 euros. Donc le budget total actuel est de 198 euros par an. Donc, selon nous, il y aurait, donc si on divise 268,3 par 198, ça donne 1,355, soit une augmentation de 35,5%, ou, pour parler, pour être plus précis, en tout cas le plus parlant pour le public, de 70 euros par an. L'opération sera donc, selon nous, loin d'être une opération blanche pour un ménage moyen. Évidemment, ici, l'objectif, j'imagine, est de faire descendre le montant forfaitaire le plus possible, de manière à promouvoir le tri, ce qui est bien logique. Mais au passage, pour revenir justement au point qui va nous occuper juste après, du zéro déchet, si je comprends bien, on passait d'une taxe forfaitaire on parle du même ménage, de 4 personnes, d'un budget de 90 euros à 160. Ce qui est quand même... Ce qui est quand même, pour un ménage zéro déchet, on passerait de 90 à 168. Donc, la facture va donc augmenter pour tous les citoyens. Ce qui nous semble important, c'est le degré de liberté dans le calcul pour fixer le prix. Et là, c'est là qu'on se disait avec nos collègues qu'on était un petit peu, je ne vais pas dire déçu, mais on regrette, c'est le terme exact, on n'ait pas eu plus de contact avec vous pour essayer de bien comprendre, parce que ça a été expliqué par Eric et je le remercie, mais c'est une matière qui n'est pas si facile que ça à assimiler, et ça donne du travail, de réflexion, et ce n'est certainement pas quelque chose de facile. Donc ce que l'on voulait mettre en exergue de notre groupe, c'est que évidemment ici, comme vous, vous avancez suivant ce que Altradol vous a donné comme information, et que pour nous, on verra dans 10 mois, Eric, je ne sais pas dans combien de temps, ce que cela donne. Parce que ici, on a difficile. Non, plus d'un an. Oui, puisque ça commencera le 1er janvier à l'exercice civil. Ouais. Et donc là, pour nous, avec la démonstration là qu'on a essayé de faire, pour essayer de voir si on était plus ou moins dans les mêmes montants que ce que l'on avait ici maintenant, nous constatons qu'il y a une augmentation. Maintenant, on le redit, c'est pas évident de savoir exactement, on parle des 20 cents, des 80 cents, de savoir avec exactitude comment ça va se passer, parce que j'imagine que les citoyens, quand ils vont commencer la poubelle à puce, je crois qu'ils vont tous avoir un peu la pétoche, ils vont peut-être, peser leur sac, etc., parce qu'ils auront peut-être peur de dépasser. Donc on va avoir du mal à avoir vraiment un montant, clair sur lequel on pourra se baser. Voilà. J'essaie d'être clair et constructif. À mon avis, il y a des facteurs qui interviennent dans le calcul auxquels tu n'as absolument pas tenu compte. Exemple, quand le système a pour objectif de mieux faire trier les déchets et de limiter la quantité de déchets. Toutes les communes qui sont passées au conteneur à puce ont vu les poids de déchets diminuer très fortement. Et puis c'est vrai qu'après un certain temps, ça remontait, mais très légèrement, pas pour atteindre le même niveau. Or, ton calcul, tu le fais sur le même niveau que précédemment. Et donc, moi, ça ne fonctionne pas, ça. Donc, c'est dans ça que je suis. Oui, qui nous ont aidés dans le calcul et qui, d'expérience, nous ont bien expliqué que si vous faites un calcul uniquement proportionnel, vous vous plantez à tous les coups. Bon. Oui. Parce qu'il faut vraiment se dire que le but est de trier, c'est de ne plus produire la même chose de déchets. On est d'accord. Le but, c'est de diminuer. Donc, c'est normal que si tu te bases sur les productions normales des ménages, ça va être plus cher. Ça, c'est normal. Le but, c'est que les gens trient pour diminuer. Et ici, on a eu des données d'Altradel qui font des estimations, par exemple, pour 2022, où ils estiment que le citoyen en DMR devrait produire 65 kilos au lieu de 126 qu'on parle tout à l'heure. Enfin, 126 et 30 de... Donc on est à 95 plutôt que 226
c'est une estimation que font de production avec les prix, mais je pense franchement que je suis pas persuadé que la première année, les gens vont tellement faire attention que la quantité de déchets va vraiment diminuer très fort. Et ce seront les années suivantes, parce que où les gens vont peut-être relâcher un petit peu leur attention dans leurs déchets et vont reproduire plus, parce que ils vont devoir, pendant toute l'année 2022, ben, ils vont faire attention. Hein. Il faudra attendre 2023, à mon avis, après le premier trimestre 2023, pour avoir des quantités de déchets que tu as produits en supplément de ce que tu pouvais produire, pour avoir peut-être une augmentation ou pas d'augmentation. Donc on est déjà dans un an et 4-5 mois. Et puis ils vont devoir encore, à mon avis ce sera très bon, les chiffres sont très bons, ils feront encore attendre un an supplémentaire pour se dire, tiens, est-ce que les gens ont bien trié? C'est là que ça va prendre du temps. Mais le but, il faut quand même, voilà, le but c'est de réduire les déchets et de mieux trier, enfin, réduire le mieux trier. Pas encore fait. Mais on pourra comme ça, à mon avis, à un moment donné, on va devoir jongler parce qu'on arrive à pas maintenir ou couper des critères, comme ça, on risque de basculer d'un côté ou de l'autre, on va rectifier les données. Hein. C'est pour ça qu'on s'abstenir. Encore deux, trois éléments sur lui-même. Il y a une question qu'on peut aussi se poser, c'est le risque de dépôt sauvage. Alors là, certes, on sort, Eric, ça j'en suis bien conscient et on aura l'occasion probablement d'en débattre entre nous. Mesurons aussi ce risque-là de ne pas se retrouver peut-être avec des dépôts sauvages, puis la taxe forfaitaire serait haute, peut-être plus il y aurait de dépôts. On peut l'imaginer. Et la deuxième chose, et je pense que là, Luc, tu voulais rebondir là-dessus, est-ce que quand vous parlez des déchets pour les personnes souffrant de problèmes d'incontinence et autres, nous avons lu qu'en Flandre, il y avait déjà des ramassages spéciaux pour, comment vais-je dire, ces personnes qui souffrent d'incontinence. Pourquoi est-ce qu'on pose cette question? Simplement parce qu'on imagine des personnes qui habitent dans un appartement et qui se retrouvent avec des sacs déjà qui doivent apparemment être assez lourds. Est-ce que peut-être aussi des problèmes d'odeur, que sais-je? Je pense que peut-être là, on aurait peut-être, Noël, peut-être tu vas me dire que c'est déjà le cas, une réflexion là-dessus pour un ramassage qui serait un ramassage spécifique pour aider ces personnes qui souffrent déjà et qui pourraient devoir, même si tu l'as bien expliqué, Eric, devoir porter leur sac sur le trottoir. Si j'ai bien compris, ça pourrait être des sacs pour ces personnes-là. Voilà, notre objectif, et c'est ça que je conclurai après moi là-dessus, c'est que notre objectif, c'était évidemment de travailler avec vous. Je sais que c'est, on t'a déjà mis 1000 fois, je pense que Didier l'a déjà dit 10 fois, vous n'êtes pas fan des commissions, mais s'il y avait bien un sujet sur lequel on pouvait débattre sereinement, et je ne dis pas que le débat n'est pas cela ici, mais entre les représentants communaux, pas au conseil communal, mais vraiment pour pouvoir s'installer à table et bien comprendre la situation, les enjeux, etc. Bon, je pense qu'on les a quand même un peu compris, mais ça nous aurait aidé, nous, conseiller à avoir peut-être une approche encore plus précise de la situation. Voilà. Je vous remercie de... Juste une petite chose avant de passer la question à Eric. Ce qu'on a fait également, on a regardé tout ce qui se passait dans les autres communes qui font ce système-là. On est quand même dans les dernières communes à ne pas l'appliquer ici dans la région. Et on a regardé aussi comment ils fonctionnaient, etc. En général, tout le monde est à peu près, vous l'avez certainement fait aussi, on est dans la moyenne à peu près de toutes les autres communes. Maintenant, les dépôts clandestins, je n'en sais rien. Je ne sais pas si dans les autres communes ça n'a pas l'air de se produire, apparemment, mais il y a beaucoup d'autres choses qui pourront arriver. Mais bon, voilà, puis on verra bien à l'usage. Mais le zéro déchet, il faut quand même bien dire, c'est une utopie. Il n'y a jamais personne qui va. Enfin, si, il y a toujours bien. Une famille qui arrive peut-être à produire zéro déchet, mais ça n'existe pratiquement pas. Il y a toujours quelqu'un qui va produire du déchet. Peut-être pas de l'organique, parce que ça, c'est beaucoup plus facile de réduire ces déchets organiques que les déchets des autres. Mais la meilleure façon, c'est de l'en faire. Mais c'est en faire le moins possible, et puis tout le monde mettre sa petite pierre à l'édifice, et puis on avancera bien. Eric, tu voulais dire? Non, moi, je voulais juste rappeler simplement ce que j'ai dit au début.
il va y avoir obligation pour les communes de ramasser les déchets résiduels séparés des déchets organiques. Donc je ne vois pas très bien comment on aurait pu faire. Si, on aurait pu le ramasser nous-mêmes à la place de la traduelle. Alors imaginez les coûts, ouais. Avec le coût de l'essai, on pas une question. Ça n'aurait pas été une bonne idée. Ouais. Bon, voilà. Merci. On peut passer au vote maintenant? Oui. Alors, oui, comme on l'a dit, sur base du fait qu'on attendra, j'espère, de votre part, un bilan où vous inviterez à pouvoir remarquer un petit peu les montants et voir comment c'est ça. Ok. Ben, la mois prochaine, on va passer le coût vérité. Hein. Donc, oui. 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 Et oui. Alors, le point suivant, ben, c'est toujours au niveau de l'environnement, et c'est la démarche zéro déchet. Et je passe la parole à Victoria. Oui. Donc, l'année passée, nous avions passé en fin d'année un pas au conseil communal par rapport au zéro déchet sur une démarche qui se lançait sur 3 années. En fait, nous devons repasser chaque année, pour l'année qui vient, un point administratif, je vais dire, qui dit que nous nous enverrons pour l'année suivante, mais donc en suivant toujours le plan d'action de base qui avait été donné l'année passée. Et d'ailleurs, pour information, il y aura un atelier zéro déchet mercredi ici à 19h pour les personnes qui souhaiteraient y assister, et une conférence zéro déchet sera organisée le 10 novembre à la salle à Ceristerre. Donc voilà, au niveau de cette démarche aussi d'aider les personnes en vue de ce passage au conteneur à puce à réduire leur consommation et leur production de déchets. Des remarques, Vincent? Dans le sens où j'imagine que vous allez avoir tout un calendrier avec par rapport à la problématique, pas la problématique, mais au sujet des poubelles à puce, j'imagine que vous allez avoir un calendrier avec des informations aux citoyens, etc., et que ça peut déjà s'inscrire dans ce cadre-là, de manière à les informer déjà une première fois, et qu'il va y avoir, parce que je pense qu'il y a une grosse attente de la part des citoyens. C'est juste des explications, parce que bon, ben, il y a des journalistes qui sont présents aujourd'hui, mais il est clair que des questions, on va en avoir beaucoup. Tout à fait. Voilà. Didier, toi, bien, François, on a deux petites questions. Donc, on est dans la deux, on entame, on continue. Alors, il y a le comité d'accompagnement, si j'ai bien lu. Donc, c'était pour savoir comment on va procéder, vous allez procéder pour le composer. Qui va être composé dans le courant de cette année, de l'année dernière. Donc comment l'appel va être fait, comment vous allez procéder pour le composer? Dans un premier temps, nous confions inviter les conseillers communaux pour ce comité. Et puis alors nous verrons si nous ferons un appel public, plus large, et puis aussi voir si les personnes qui sont dans les groupes de travail seraient également intéressées d'en faire partie. Alors nous avons du personnel communal et aussi quelques personnes de la population, mais nous avions fait un appel public qui n'avait pas brassé énormément de monde. Ok, et la deuxième, c'était la mise en place d'un groupe de travail à terme type écologique au sein de la commune, si c'est déjà mis en place. Et enfin. Oui, donc là, nous avions le choix de vraiment une écotime ou un groupe de travail. Nous avons pris le choix de faire un groupe de travail, et donc cette année nous avons une première action sur le ménage naturel qui est en cours. Donc là on est en train de répondre à toute une série de questions sur ce qui est fait actuellement dans la commune pour le ménage et pour pouvoir avoir cette action qui sera mise en place toujours en 2021. C'était pour savoir si il y a un réseau d'échange écotime, si la commune allait y prendre part. Nous sommes effectivement sur tout ce qui est à travers sur le réseau d'échange, que ce soit d'ailleurs l'écotime et les autres groupes de travail, il y a un échange de bonnes pratiques, et donc nous les regardons évidemment pour voir ce qui est fait ailleurs. Merci. On peut passer au vote? Oui. 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 Et oui, le point suivant, c'est le règlement relatif à l'octroi d'une prime communale à l'installation de détecteurs CO2.
Je vais passer la parole à Michel Parot pour la petite modification. Oui, donc ici le 22 février, on avait passé un règlement là, concernant l'octroi d'une prime communale pour l'installation d'un détecteur de CO2. Bon, par la suite, les règlements sont tombés évidemment de la Fédération Olympique Bruxelles concernant les associations sportives qui imposent des détecteurs dans tous les vestiaires, y compris les vestiaires des arbitres et des capitaines, etc. Donc on a repris contact avec tous les clubs. On a fait le bilan de tous les clubs sportifs de la commune et ça fait à peu près 25 détecteurs en plus que les clubs ont acheté. Donc ici on propose de changer le règlement en remplaçant le mot un détecteur par plusieurs détecteurs, des détecteurs. Donc chaque détecteur acheté sera remboursé à hauteur de 100 euros par détecteur. Merci de ta remarque. Juste par rapport au vestiaire, suivant le protocole sanitaire mis en place pour le moment, le protocole sportif, on parle de l'obligation d'emploi dans un local avec des spécificités au niveau de la superficie, du volume, mais également du temps. Donc c'est plus de 15 minutes dans les vestiaires. Certaines communes ont changé à indiquer qu'il fallait rester moins de 15 minutes dans les vestiaires de manière à pouvoir peut-être, en tout cas, minimiser les coûts. Maintenant, il est clair que c'est quelque chose qui doit être acheté et qui doit être absolument placé par rapport à ce qui est indiqué dans les protocoles sanitaires. C'est pratiquement possible de demander au club de ne rester que 14 minutes, 50 secondes dans un... C'est déjà une heure avant le match, donc... Il faudra de toute façon y passer, mais j'espère que ça ne va pas changer d'ici encore le mois prochain. Mais non, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Et donc, si je peux mettre ça dans le cas, je dirais. Ok, Lizzy, par exemple. On peut passer au vote. Oui. Et oui. Le dernier point de l'ordre du jour, le point 24, vous dites pour bien y en avoir, c'est le projet de création d'un parc national des Hautes-Fagnes, d'un accord de principe et délégation au collège. En fait, je suppose que vous avez entendu parler maintenant de cet appel à projet de la région Wallonne pour la création de parcs naturels, de parcs nationaux, pardon, en Wallonie. Et bon, il a été décidé des communes territorialement compétentes. Donc je vais commencer par là. Donc c'est les communes qui ont un territoire sur le futur périmètre du parc national qui est envisagé, de répondre à cet appel à projet. L'appel à projet, on doit rentrer tout l'appel à projet pour le 1er novembre. Donc on a déjà eu énormément de réunions à ce sujet-là. Et on ne saurait pas venir au conseil communal avec toutes les décisions qui vont être prises et qui vont être faites ici parce qu'on n'a pas finalisé vraiment le dossier complètement. Donc ici, ce mouvement, je suppose que vous avez vu la nouvelle délibération qui a été faite par Maître Wimmer, qui est un avocat bien connu dans le domaine des administrations communales. Et les articles, les quatre articles qu'on vous montre, c'est de marquer votre accord de principe, je dis bien, sur l'adhésion de la commune à l'appel à projet, pour la création du parc national, de marquer son accord de principe sur l'intégration de la commune à la coalition territoriale de partenaires, ainsi que sur le principe d'une intervention financière directe de la commune dans le cadre de ce projet. Là, je vais vous dire que la participation financière, dans un premier temps, en tout cas la première année 2022, il n'y en a pas. Parce que d'abord, on va déposer le projet pour le 1er novembre. Il y a un choix après qui se fait au niveau de la région Wallonne pour désigner deux ou trois projets qui seraient retenus parmi tous les projets déposés. Ces projets-là obtiendraient 250 000 euros de subsides pour poursuivre l'analyse du projet
avec la désignation d'un bureau d'études très complet pour aller plus finement dans tout ce qui devrait être fait, etc. Et puis après seulement dans le courant de l'année 2022, mais à mon avis à peu près 10 mois après le dépôt, donc on pourra se mettre vers le mois, enfin je ne sais pas, là j'ai peur de me prononcer à la place du gouvernement wallon, mais qui désignera alors qui va retenir deux projets, sur le nombre de projets qui seront déjà sélectionnés. Et pour pouvoir être sélectionné, il faut répondre à toute une série de critères. Je ne sais pas si vous avez lu tout l'appel à projet, mais enfin, je pense que le plateau des Hauts-de-Seine est très très bien positionné, surtout au niveau de la biodiversité, de tout ce qui est l'ensauvagement, etc. On est, je crois, top dans tout. En plus, avec un territoire défini maintenant, qui est quand même très très grand, qui dépasse les 10 000 hectares, alors que l'appel à projet demande 5 000 hectares. Donc, on a un beau territoire. Mais dans un premier temps, en tout cas, il n'y aura pas de participation financière. Mais par la suite, peut-être, parce qu'en fait, il y aurait des subventions de 13 millions d'euros pour les deux projets retenus. Mais il faudrait que les communes, enfin non pas les communes, mais que tous les partenaires qui ont déposé ce projet trouvent un financement qui correspond à 20%. Donc on est sur quelque chose de 3 millions 3 d'euros. Mais à répartir en tous les partenaires qui vont déposer ce dossier. Mais on n'en est vraiment pas encore là parce qu'on peut trouver encore des autres partenaires, les privés, il y a moyen de trouver beaucoup de choses. Pour le moment, on est vraiment essayer de constituer ce dossier le plus complet possible, de répondre à l'appel à projet, espérer être sélectionné parmi les dossiers qui seront déposés. Là, engager avec les 250 000 euros un bureau d'études, etc. Il faut savoir que c'est la conférence des bourgmestres de l'ordre du Grand Verviers qui est auteur de projet ici pour l'instant. Donc c'est la conférence des bourgmestres de l'arrondissement qui va déposer le projet. Et c'est ce qu'on vous demande aussi. C'est de mandater le collège communal pour valider, suivre et formaliser les différentes étapes du projet de la création du parc national des Hauts-de-Seine. Et le point 4, c'est de confirmer le principe de désignation de la SBL Région Verviers, conférence d'arrondissement des promesses et du collège provincial de Liège, en qualité de bureau de projet. Voilà. En fait, ici, on n'aurait pas su faire passer les décisions parce qu'on est trop juste dans le temps. Donc voilà, c'est de mandater le collège pour pouvoir prendre les décisions et signer ces fameux. Parce qu'en fait, la commune qui est territorialement compétente doit céder son territoire pour la durée du projet au parc national futur, quoi, on va le mettre en guillemets. Donc là, il va falloir avoir, pour ça qu'il faut avoir une délégation possible par le collège. Autrement, on ne sait pas retenir au niveau du conseil communal dans un premier temps, on reviendra plus tard avec ces décisions. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions particulières à ce sujet-là. Oui, j'ai une vraie question. Écoutez, pour le groupe Choisir Ensemble, ce projet de parc national est un beau projet, potentiellement un beau projet, et il traduit un compromis important entre les objectifs environnementaux et économiques, principalement touristiques. Nous voterons donc oui, et c'est la mention bien. C'est pas une mention très bien, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, car nous formulons quelques réserves. Réserves sans jeu de mots, évidemment. Trois réserves. Un, dans le projet de délibération, on constate que seul le collège sera amené à rédiger l'accord de coopération et la note d'intention sans l'aval et propositions éventuelles du conseil communal. Vous évoquez l'urgence, effectivement, il y a une certaine urgence, mais il faut quand même rappeler que l'appel à candidature, vous l'avez dit, a été lancé par le gouvernement wallon le 1er juillet déjà. Hein. Deuxième réserve, on s'étonne aussi de la désignation de l'SBL, Conférence des bourgmestres de l'arrondissement de Verviers, comme bureau de projet, je dis bien, comme bureau de projet, alors que la coalition territoriale de partenaires est peut-être largement suffisante et nécessaire à ce stade-ci. Ce bureau de projet, ainsi constitué, on se pose la question, est-ce qu'on ne risque pas de devenir malheureusement une sorte simplement de machin politique ? Nous espérons que ce ne serait pas le cas, et ce serait même dommage. Troisièmement, et ça on l'a déjà dit pour d'autres points, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'information préalable à notre engagement. Information du conseil communal, information de la population. En conclusion,
Nous voterons donc oui, mention bien, car ce projet doit permettre de préserver encore davantage notre patrimoine naturel et permettre aussi une meilleure gestion du tourisme en Fagne. C'est cependant un oui, mais un oui, mais les quelques réserves que j'ai évoquées. Oui. Écoute, un bureau de projet, il fallait regarder tous les règlements pour qui pouvait, mais une commune territorialement compétente, elle aurait dû se mettre, créer une ASBL, créer tout un organisme. Parce qu'on ne peut pas, une commune seule, devenir bureau de projet. Il faut que ce soit une structure avec toute une série de professionnels qui tournent autour, etc. Bon, il faut savoir qu'à la conférence des bourgmestres, on est d'abord en ASBL, il y a la province qui est associée également, et on a un bureau qui assure le secrétariat. Le bureau qui assure le secrétariat, c'est l'ASPI. Donc l'ASPI possède déjà dans leur structure toute une série de compétences, qu'ils soient financiers, des personnes qui s'occupent de l'administratif, etc. Et on a eu, en plus dans les partenaires, les scientifiques de la Maison du Parc, tout ça, qui travaillent avec nous. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est la conférence des bourgmestres. On a préféré, au niveau des communes qui étaient territorialement compétentes, de travailler avec la conférence des bourgmestres, parce qu'on reste, au niveau de la conférence des bourgmestres, ce sont les communes qui gèrent la conférence des bourgmestres. Voilà. Mais là, c'est justement, on échappe à toute influence politique ou toute autre structure qui pourrait se supplanter à nous communes. C'est vraiment l'inverse de ce que tu penses, et c'est ce qu'on ne voulait pas. C'est une question que je pose. Ah oui, mais c'est ce qu'on ne voulait pas. Ouais. Donc, c'est pour ça. Une autre question, est-ce que le fait de confier le bureau de projet à la compétence des bourgmestres ne va pas écarter les associations qui ont décidé de s'associer au projet? Mais non, parce que justement, je suppose qu'il y en a beaucoup ici, tous les partenaires qui sont dans les environs, que ce soit les Amis de la Fagne, que ce soit la Maison du Parc ou la Maison Ternelle du côté de la communauté germanophone et tout ça, tous ces partenaires-là font partie vraiment des partenaires constituant vraiment le dossier. Tout à fait. Et puis alors, il y a toutes les maisons du tourisme qui, elles, sont plutôt des personnes de soutien, enfin, des organismes de soutien, parce que il y a vraiment les partenaires qui vont peut-être devoir intervenir financièrement et qui vont intervenir, mais il y a la communauté germanophone, normalement, la province de Lier, enfin, il y a la MTPL, il y a plein de plus les communes, etc. Mais on ne va pas les demander à un OTJS, par exemple, de participer financièrement à la constitution du parc national ou dans la gestion du parc national. Ils sont là plus en soutien. Comme on va pas, voilà. Mais tout ce qui existe sur le plateau des Hauts-de-Seine est repris dans le dossier du plateau des Hauts-de-Seine. Très bien, mais tout ça doit être débattu. Et même au niveau de la CLDR, etc. Mais il faut savoir que c'est vrai que c'était déposé au mois de juillet, le dossier. Il ne faut pas oublier qu'il y a toutes les problématiques des Covid, que des réunions ont été prévues, qui ont été prévues pour justement les informations sur cette constitution, qu'elles ont été annulées, puis reportées, puis enfin, c'était toute une histoire invraisemblable. Et maintenant, on est dans l'urgence, mais à cause de toutes ces annulations de réunions qui avaient été programmées et qui n'ont pas eu lieu. Mais le débat qu'on vient d'avoir est tout à fait intéressant. Et je pense que de toute façon, que ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que le projet est un projet qu'il faut soutenir absolument. Ben, on le pense, oui. Didier. Ben, évidemment, comme défenseurs de l'environnement, nous sommes enchantés par ce projet, dont le but est vraiment d'améliorer la protection de l'environnement au niveau du plateau de Haute-Fagne, tout en le combinant aussi avec le tourisme. À l'époque du projet, c'est mieux encadrer le tourisme. Et comme on a dit dans un reportage télévisé, un peu de hausser le niveau des touristes et des promeneurs qui viendront dans les Fagnes, c'est ça qu'on espère avec ce projet. Donc nous soutenons entièrement le projet. Je pense qu'on peut vous faire confiance aussi pour défendre les intérêts de la commune au niveau de ce projet. Je voulais juste poser une question, c'est que au mois d'avril, le collège avait donné un accord pour une étude sur le développement d'un écotourisme
la gestion des flux sur le plateau des Hauts-de-Seine. Est-ce que ça vient avec un CIT diplômé? Oui, qui a toujours lieu. Ces réunions-là ont toujours lieu. D'ailleurs, le secrétariat est assuré aussi par la CIT, comme vous voyez. Et il y a eu des réunions pour le lieu. C'est Victoria qui. On a eu le premier comité de pilotage la semaine passée, mais donc c'est pas encore. Ça, ça a intégré aussi avec le projet. Oui, oui, tout ça fait partie des réunions que l'on a toutes les semaines depuis quelques semaines maintenant. Voilà, les personnes qui font partie des communes, parce que c'est les mêmes communes. Hein. Il faut savoir que les communes territorialement compétentes pour le plateau des Hauts-de-Fagne, c'est Malmedy, Wem, je vais les faire dans l'ordre, Wem, Jalais, Balen, et puis on a inclus maintenant la communauté germanophone avec Le Pen et Rennes. Oui. Et peut-être, mais là je n'ai pas l'info, ils devaient décider vendredi, mais je ne sais pas ce qu'ils ont décidé, une toute petite partie de Buchenwald, où ils ont, eux, en fait, des territoires, ils ont des propriétés sur la commune de Wem. Et c'est ce territoire-là qu'il faudrait savoir s'ils vont laisser rentrer dans le parc, parce qu'ils ne veulent pas, eux, en tout cas, au niveau de leur exploitation forestière, ils veulent vraiment rester maîtres de leur exploitation forestière. Mais là, ils sont sur des terrains qui sont pas de bonne qualité, des terrains dans la Fagne, où on ne saurait plus faire de la sylviculture. Donc, mais il n'y aura pas d'impact de toute façon sur la sylviculture, sur la commune de Jalais, si ce n'est la baraque Michel. Dans la baraque Michel, on ne fera jamais plus des épicéas. Hein. Oui, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? De quoi est-ce qu'on parle? Là, oui, les communes territorialement compétentes. Et c'est vraiment là que la décision doit se faire. Quoi, parce que. Il faut que ce soit les communes territorialement compétentes qui décident de oui ou non de la création de ce parc. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt que d'autres communes viennent imposer quelque chose aux communes. Mais je pense qu'on a un territoire exceptionnel et à mon avis, on devrait être plus. En plus, on a une grande surface. Il n'y a pas d'équipement. Non, il n'y a pas d'équipement. Il y en a pas. Alors, le DNF, au niveau de la biodiversité, on ne saurait presque pas améliorer ce qui existe pour l'instant sur le plateau des Hauts-de-Seine. C'est le top du top. On est dans des pourcentages au-dessus de 93%, 94% de biodiversité, de qualité, de paysage, etc. Donc tout est. Mais c'est, comme vous le dites, c'est l'accueil du tourisme qu'il faut vraiment essayer d'améliorer de toute façon, parce qu'on a un accueil lamentable. Hein. Je ne voudrais pas quitter la mer du Nord et venir enfin y arriver quelque part où il n'y a même pas un parking avec des sanitaires pour vous accueillir. Hein. Et vous avez oublié votre endroit. C'est quand même compliqué. Donc il faut vraiment qu'on aille. Un meilleur accueil du tourisme, mais aussi mieux contenancer, mieux contenir le public, mieux l'informer, mieux l'engager dans des promenades ou dans des endroits, puis quand il y en a vraiment de trop, l'envoyer dans d'autres endroits qui ne seraient plus le parc national, mais ailleurs. Il y a beaucoup de touristes, choses à faire. Même endroit. Oui. Et créer des portes d'entrée, hein, c'est ce qu'on. Et vous avez vu le nouveau logo, je ne suis pas de la commune, aux portes des FN, il n'y a pas longtemps qu'on l'a fait. Mais donc, il y a vraiment les portes des FN comme nous faisons commencer en fait avec le rond-point de Drossard. Oui. Mais lui, il se situe dans le parc national, alors que normalement les portes d'entrée devraient se situer en périphérie du parc national. Et il y avait déjà un projet très, très ancien où il y a une porte des fins qui crée ici, un peu au-dessus de chez Marie-Thérèse, la maison que tout le monde fait mal, je crois, où il y a un parking qui était prévu avec simplement un parking, mais maintenant il y aura des structures d'accueil, etc. Parce qu'il faudrait que ce soit fait correctement. Voilà. Il faut avoir en compte aussi toute l'aspect mobilité aussi sur le plateau. Oui, mais là, oui. Il y a des habitants aussi du côté sur Rose, au Verri, qui
victoire passer par là pour aller travailler, oui. Donc on ne peut pas non plus fermer la route et dire que c'est une réserve. Mais il faut bien. Ah non, non, c'est un. On n'est pas en mobilité. Ouais. La mobilité devra être maintenue. Bon, voilà, est-ce qu'on peut voter ? Parce qu'on n'a pas. Je crois qu'on n'a pas voté. Donc on va. Et pas l'oublier. Là, je crois... Oui. 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 Et oui. Avant de passer au divers, je vais passer la parole à Michel Parent qui va vous faire deux ou trois informations. Deux types de communications. Au sujet du distributeur de bière, la Topet, donc le bail commercial de Topet signé avec le propriétaire du local. On prend cours ici le 1er octobre. Donc, sur la conférence de presse de Matopé, je ne sais pas si vous l'avez eu, les deux distributeurs devraient être opérationnels normalement pour le mois de juillet. Pas de mai, mais voilà. Je ne sais pas si vous l'avez eu ici, donc j'allais, place. Ah oui. Prévu pour juillet. Juillet, septembre, peut-être. Alors, peut-être content parce que si vous avez lu dans la conférence de presse ce projet, 2021-2027. Donc, les derniers points seront mis en activité en 2025. Donc, en 2023, 2022, la première chose dans la grande chose. Alors, le deuxième point que je voulais vous dire aussi, c'est que pour la possibilité des travaux, on va arriver ici dans la route de la Pagne. Donc, si vous vous rappelez, le SPU avait prévu 6 radars X pour les communes de Teus, Pas et Jalais. Dans la presse il y a déjà quelques mois. T'sais. Donc Jalais devait recevoir deux radars fixes, donc un placé au centre de Jalais et l'autre au centre de Thiers. Donc on vient de délivrer les autorisations de chantier ici, pour le placement et ces travaux commenceront ici le 25 octobre. Donc, le radar fixe sera placé ici juste devant le ministère de l'Arme, sur la voie de Boulevard, donc sur la route même. Donc on passe pour la station de Boulevard, évidemment. Dans les deux sens. Donc, donc au milieu de la route. Oui. Le premier plan, si vous voyez les travaux et le radar qui passe. Ok. Maintenant, je vais passer la parole à Eric qui va vous donner une réponse. Il y avait une question qui avait été posée par Pierre-François à propos de l'évaluation stratégique environnementale du programme opérationnel FEDER. Mm-hmm. Est-ce que la commune fait des remarques? Donc en fait, il s'agit du programme opérationnel de la Wallonie, de ses politiques publiques, de ses objectifs qui se trouvent dans la déclaration de politique régionale. Attends, je ne sais pas si on est parlé de la même chose. Ah, c'est ce que tu m'as dit. Gestion des risques d'inondation pour la Wallonie. Ah non, non, non. Exactement, vous manquez. Non, vous les avez là. Vous manquez qui avait été... C'est un site. Non, non, c'est pas grave. C'est un gros classeur qui m'a montré, c'était ça. Non, 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 je n'ai jamais eu celle-là. Je ne sais même pas. Celle-là, je n'en ai même pas entendu parler. Écoute, c'est pas grave, malentendu, je peux le dire. Ah, mais voilà. Malentendu. On n'a pas de remarques à faire, c'est très technique, c'est une évaluation stratégique. Franchement, la commune n'a pas de remarques particulières à faire à ce sujet. Ok, donc on peut passer aux divers, non ? Vincent. Bah oui, on a eu un bon conseil. Hein. Mmh. Ouais. Didier, ouais. Ben justement, j'en avais sur la gestion des risques d'inondation pour la Wallonie, mais je ne reviens pas sur la question qu'on avait posée. Donc, le gouvernement wallon soumet en enquête publique depuis le 3 mai 2021 les projets des plans de gestion des risques d'inondation pour la Wallonie pour la période 2022 à 2027. Cette enquête, après les terribles inondations de juillet, prend aujourd'hui une autre dimension. Au lendemain de cette stratégie, l'intérêt pour les pouvoirs publics de voir le maximum de citoyens donner leur avis jusqu'au 3 novembre sur les actions prévues dans le cadre des plans de gestion des risques d'inondation est réel et attendu. Le groupe citoyen Osé s'attendait à ce que le bulletin d'information de la commune de Jalais fasse écho de cette enquête publique vu le contexte des inondations de juillet. Donc lors du conseil communal, rien nous en avons d'ailleurs évoqué cette enquête, mais on ne s'est pas bien compris.
Depuis, plusieurs membres de notre groupe ont décidé d'y participer. Après une première lecture des documents, ils demanderont entre autres que la carte des zones inondables ainsi que celle des éléments vulnérables qui seraient impactés, c'est-à-dire bâtiments, entreprises, nombre d'habitants dont il est question dans la brochure, soient redessinées conformément à la méthodologie utilisée. À travers cette demande, ils supposent que certains projets pourraient se voir réaménagés. Aussi, dans cette enquête, ils ont découvert qu'un ou deux projets d'action étaient prévus sur notre commune de Jalet. Nous découvrons que la commune de Jalet est initiateur du projet prioritaire numéro 50-150, qui est un ouvrage de régulation de débit du Wayet par la gestion des embâcles. Et le deuxième projet, le 56218, s'intitule « Étudier l'opportunité de la création d'une zone d'immersion temporaire sur la Hogne en amont de Teux ». Cette zone d'immersion se ferait soit entre Franchimont et Colleur ou sur la commune de Jalet, si l'on regarde la carte. Et ça, c'est un projet du SPOE, District Direction des cours d'eau non navigables de Liège. Donc cette intervention marque notre souhait d'être informé de l'état de chacun de ces projets et de leur devenir suite à l'enquête, mais également notre souhait de mettre une nouvelle fois cette enquête en ligne, tout simplement. Et je pense que tout le monde est demandeur des nouvelles cartes d'inondation et on n'attend que ça. Et je pense que tout le monde attend vraiment ça. On a eu une réunion encore cet après-midi en visio avec Mme Parallet et ses services. Et franchement, ils attendent avec impatience toutes les nouvelles cartes avec les zones inondables, les zones à risque, etc. Et les implications que la région Wallon va prendre dans ces zones-là. Parce que... C'est ça, parce que quand on voit, par exemple, ça c'est les projets. Oui, mais je crois que... Ça va être, devoir être vu, c'est pour ça qu'on se demande. Ça va être vu, corrigé, mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais pourtant ça devient absolument urgent, parce que faut savoir qu'il y a des maisons qui ont disparu, et est-ce qu'elles peuvent être construites à la même place, comment, où, avec quoi, je vois si encore des assurances, des compagnies d'assurance qui vont bien les assurer, les personnes qui ont été inondées, que va-t-il se passer, enfin, c'est... Mais je crois que là, c'est vraiment un travail de la région Wallonne et qui doit s'attacher surtout à toute la zone ici, à celle de la Veste et de la Rogne, bien évidemment, mais parce que les impacts ont été absolument possibles. Oui, par exemple, je suppose que là, le deuxième projet qui est une étude, elle va de toute façon être nominée et par contre, les embâcles, si vous le voyez, je ne sais pas, peut-être que c'est la commune. Bon. Mais on verra. Ah bah, voilà. Ok. Donc, c'est bon. Eh bien, voilà. Je pense qu'on peut terminer ici. Pardon. Je vais essayer une petite, celle-là. Donc, le 9 mars 2018, le Conseil consultatif communal des aînés tenait sa première réunion. Donc, chaque membre actionne un mandat de 4 ans. Donc, au vu du calendrier qui avait été effectué la fois passée, est-ce que vous allez lancer un appel à candidature prochainement, en fait, comme vous voulez, se définir. Alors, en réalité, il faut savoir que le CA n'a plus fonctionné depuis le mois de mars, je crois que c'est la dernière réunion en 2020. Et donc, délicat de ne pas pouvoir continuer ce qui a été initié. Et la discussion devra se faire au collège pour savoir ce qu'on décide de faire. Pour moi, c'est très délicat, il y a certainement qui m'ont demandé pour refaire des réunions. Honnêtement, à titre personnel et professionnel, je me vois mal réunir des aînés alors qu'il y a des cas de Covid qui vont... Ah oui, ça nous comprend parfaitement là-dedans, c'était simplement pour voir si d'autres personnes, le cas échéant, avec le temps, parce que quand je parle ici, donc c'est 2018, mais on l'appelle à candidat, et puis après c'est mis en place, il a fallu plus d'un an, entre guillemets, pour la procédure. Moi, c'est pour ça que nous, on en parle maintenant. L'opposition avait imposé tous les membres, on sait très bien que gérer 30 personnes au lieu d'avoir un groupe de travail plus succinct ne permet pas d'avancer, donc on a dû faire ce groupe, et en fonction un petit peu des attentes de chacun, réunir des groupes avec des personnes qui étaient responsables, qui ont avancé plus que d'autres, et il y a des personnes qui ont démissionné. Donc, voilà, la situation n'est pas facile. Merci pour ta réponse. Eh bien voilà, merci à toutes et à tous. Et bonne fin de soirée. On va passer au micro.